mardi 11 juin 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre du programme Espace Miné, 10h-11h52. Pendant 2 heures de temps, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information, mais une information en toute convivialité. Ce matin, nos trois rubriques sont restées intactes. La très étincelante Claudia Ndia nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson nous retrouve le sucre national avec ses éternelles dénonciations. Si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Ce mardi, comme vous le savez déjà très bien, est baptisé sur Espace Miné, mardi entrepreneuriat. Ce matin, nous parlerons de la création, mais également du pourquoi créer une entreprise. Comment créer une entreprise et pourquoi créer une entreprise. Et soyez donc très attentifs dans le cadre justement de ces échanges. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Joseph Zambo, bonjour. Oui, bonjour Papa ici et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez comme le Cameroun. En joie. Le Cameroun est en joie. Bon, on a eu une victoire, on ne peut pas pleurer après une victoire. Les lions indomptables redescendent dans l'arène cet après-midi, ce soir, hein, à partir de 20h, du côté de Luanda. Oui, bon. On en parlera tout à l'heure. Hein. Ouais. Joseph Zambo est chef d'entreprise, expert en entrepreneuriat. Nous accueillons également l'autre invité à côté de Joseph Zambo. Lui, c'est Ibrahim Maxime Julien. Bonjour Ibrahim. Bonjour Parfait ici. Merci de me recevoir ici. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je souligne quant à vous que vous êtes ingénieur, vous êtes également entrepreneur et formateur en entrepreneuriat. Effectivement. J'ai le privilège d'avoir 2 diplômes d'ingénierie dans le secteur de la mine, de me développer un peu dans l'entrepreneuriat depuis 7 à 8 ans aujourd'hui, et d'être consultant dans des questions d'entrepreneuriat et de mine, et formateur en gestion de projet, management, etc. Vous êtes dans le domaine des mines. Exactement. Et vous êtes sur Espace Miné. Exactement, ça va chauffer. Comment trouvez-vous ce secteur au Cameroun au moment où le président de la République, il y a pratiquement 3 ans ou 4 ans, mettait sur pied la société nationale des mines, la Sonamine? Alors, l'actualité minière au Cameroun à l'heure actuelle est assez intéressante. Vous savez, la ressource minière fait appel à la géopolitique et à la géostratégie minière d'un État. Entrer de plein pied à l'intérieur serait risqué si on ne met pas un ensemble de fondamentaux. Parce que s'il faut comprendre aujourd'hui l'activité ou le positionnement du chef de l'État, il faudrait que vous m'accordez peut-être 2 minutes pour vous parler de ce qui se faisait déjà à l'époque. Si bien entendu vous le permettez. Donc, vous savez, dans le secteur de la gouvernance minière, celui qui a les minéraux a la technologie. Tout à fait. Parce qu'avec les minéraux, on fabrique les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, etc., les satellites. Celui qui a la technologie a l'information. Celui qui a l'information, la technologie, a l'information et l'économie. Parce qu'en fabriquant des satellites, eh ben on peut vous pirater, on peut vous envoyer à gauche, pourtant l'information est à droite. Avec la technologie, on peut tout vendre. Et celui qui a l'économie, comment dirige le monde? Maintenant, à l'heure actuelle, dans le continent, sur le plan mondial, on va vous faire savoir qu'il y a près de 90 éléments minéraux. Vous voyez le tableau de classification périodique des éléments là. En troisième, il y a près de 90 éléments minéraux qui ont déjà disparu en Europe. Et qui ne se retrouvent actuellement qu'en Afrique. Ce qui fait que l'Afrique, l'Europe en a besoin non seulement pour maintenir son niveau de développement, mais également pour continuer dans l'innovation et les découvertes scientifiques. Alors, le seul continent aujourd'hui qui n'est pas construit étant le continent africain, que les Européens en soient conscients ou que les Africains en soient conscients ou pas, les Européens ont besoin de cette ressource-là. Ce qui classe le secteur minier en haut point de politique et de géostratégie mondiale. Donc, venez parler du positionnement du chef de l'État, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est assez intéressant. Et que peut-être sous un autre angle, on en parlera, mais il agit en sage homme. Il agit en sage homme. Merci. Hein. De toutes les façons, vous n'irez pas plus loin que ça. On aura compris que l'Europe aura bientôt tellement besoin de l'Afrique. Effectivement. Elle en a déjà besoin.
Mais ça va se multiplier par 100. Merci Ibrahim, Maxime, Julien d'être là ce matin. C'est la toute première fois que vous allez déminer l'espace. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Permettez-moi d'embrayer en 30 secondes sur le commentaire de M. Ibrahim. Cela remet quand même sur la place publique la question du développement. On a tendance à considérer que l'Europe est développée. Sauf que développement, durablement, ne peut résister que si tient compte des générations futures. L'Europe, durant 300 ans, a accéléré son développement et aujourd'hui est essoufflée. Ceux qui continuent de penser que l'Europe est l'Eldorado et tout, devraient commencer à envisager que d'ici 100 ans, l'Europe ne sera qu'une entité beaucoup plus guerrière, beaucoup plus expansive, parce qu'elle va rechercher ce qu'elle n'a plus, à savoir les ressources minières et naturelles qui sont propres à l'Afrique, qui se retrouvent encore en Afrique. Donc aujourd'hui, on devrait penser déjà à sécuriser nos matières, quelles qu'elles soient, à travailler de manière protéiforme sur le plan légal, administratif, et technologique niveau, et scientifique. À ce niveau, c'est vrai que ce n'est pas la problématique inscrite à l'ordre du jour. Oui. Est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'est pas à féliciter? Lui qui a eu une gestion avec une très grande parcimonie de nos ressources minières. Objectivement, parfait, Alice, c'est à féliciter. Moi qui suis souvent un grand critique du chef de l'État, faut le dire, non, on ne fait pas la question. Pour la critique. Justement, vous voyez, on ne critique pas juste pour jouer les Goliath ou alors pour jouer les vats en guerre. Sur la question, l'idée de travailler avec parcimonie, de gérer avec méthode les ressources naturelles, sachant qu'il faut penser présent et surtout sécuriser l'avenir, mettre sur pied la tsunamine de manière progressive, était quand même, ma foi, des éléments qui, jugulés, permettent de déterminer quand même une vraie vision dans le secteur précisément, je pense. Et il y a deux pays de l'Afrique centrale hein, dont j'ai oublié volontairement des noms, oui. Qui ont été des grands Eldorado. L'argent pétrolier coulait à flot, le pétrole à flot, tout le monde était riche, tout le monde dormait dans des hôtels 8 étoiles, ainsi de suite. Repartez dans ce pays hein. Et commence à tirer le diable par la queue. Il ne faut donc pas confondre vitesse et précipitation. J'ai oublié volontairement le nom de ces deux pays de l'Afrique centrale. Pareillement. Bernardo, aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De la santé des pieds. Waouh. Oh, oui. Toute une journée. Oui, pour la santé des pieds. Parce que c'est la santé des mains. Oui, il y a l'hygiène des mains. Il y a une journée mondiale pour l'hygiène des mains. Donc aujourd'hui, c'est la journée de réflexion par les professionnels multiformes de la santé pour sécuriser ce qui nous sert de pied. Nous sommes des êtres bipèdes, donc on a deux pieds qui nous servent à nous déplacer, etc. Mais aussi, comme beaucoup l'ignorent, la plante des pieds est un système de connexion qui à des systèmes de liaison avec tous les autres organes du corps. Donc, on peut vous injecter sur la plante des pieds à un endroit spécifique et votre cœur réagit, ou votre poumon réagit, ou votre ventre réagit, vous voyez. Donc, il est important de garder bien en santé les pieds pour pouvoir être durablement en santé. Mais surtout, pour nous, Africains, de temps en temps, il faut marcher pieds nus dans la cour, même si ce n'est pas pour longtemps. Parce que le contact des pieds avec la terre procède d'un transfert d'énergie mécaniquement établi. Vous voyez. Donc, porter toutefois les chaussures et rester permanemment avec les pieds couverts fragilise la santé des pieds. Il faut de temps en temps être sur la terre pour capter certaines énergies qui seront bien sûr adjuvantes pour le développement intégral de l'organisme. Je comprends pourquoi, lorsque il m'est arrivé d'aller rencontrer certains initiés, ils m'ont demandé de me déchausser. Bon, ça peut désigner autre chose. Tu sais d'abord que c'est... Moi, je parle de quoi? Je ne sais pas. C'est pourquoi je ne sais pas. Je prends l'exemple au village, hein, oui. Lors de certains rites. Oui. Par exemple, les deuils. Oui. Au moment où vous appelez cela le mbombo, oui. On appelle aux hommes là, oui. Il doit donner certaines bénédictions. Oui. Il ne vous la donnerait pas avec des chaussures. Bien sûr. Il va vous demander d'enlever les chaussures. Oui, bien sûr. Cela a une grande signification. Ouais, ouais, ouais. C'est mystique. Pour deux raisons. Bon, mystique, si on veut trouver le terme, pour deux raisons. La première, comme j'ai dit, l'énergie de la terre est sacrée. Oui. Et puis, les mouvements des pas dans les rites initiatiques sont méthodiques, mécaniques, organisés, structurés. Ce n'est pas du tout de l'imagination. Et bien sûr, les esprits de la terre travaillent
et généralement nous pénètre par l'énergie des pieds. Pour ceux qui travaillent avec les éléments asiatiques, il y a le chakra racine par exemple qui est au niveau du périnée et qui s'ouvre et se recharge, du moins route davantage par l'énergie de la terre qu'on acquiert une fois qu'on est pieds nus. Mais aussi parfois les chaussures traînent beaucoup de saleté, beaucoup de mauvaises énergies, beaucoup de mauvaises ondes. Voilà pourquoi dans les mosquées, on vous dira souvent d'enlever les chaussures, parce que quand on va devant la divinité, on réduit le maximum de saleté possible. Très bien. Par exemple. Parce qu'il a continué à être cohérent et surtout la pertinence des arguments de ce monsieur fait de lui l'un des plus grands consultants en ce moment en Afrique au sud du Sahara. Il est Camerounais, dit fils de Boumiébel, descendant de Oumniobé. Pierre Blériot, Yemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel. Je suis heureux d'être là. Pierre Blériot, Yemek, la sagesse de ce matin. La lutte pour le bonheur individuel est indissociable de celle du bonheur collectif. On peut reprendre. La lutte pour le bonheur individuel est indissociable de celle du bonheur collectif. Ça veut dire quoi? De manière triviale, on ne peut pas être heureux tout seul. Il y a même un grand penseur qui disait, Pierre Blériot, qu'il y a une certaine honte à être heureux tout seul. Oui, mais moi je corrige même, vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez pas y parvenir parce qu'en fait l'homme est de nature un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit avec ses semblables. Plus il y a de bonheur autour de vous, plus vous vous sentez mieux. Même si vous êtes un malade mental, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient joyeux autour de vous pour améliorer votre état. Alors ceux qui ont l'idée. Le bien-être, vous en parlez hier, il est matériel. Vous pouvez plonger dans le bien-être tout seul. Vous voyez, dans nos villages, il arrive des fois qu'on abandonne un riche chez lui. Quand les hommes avaient encore de la personnalité, les mauvais riches étaient abandonnés chez eux avec leur richesse. Et personne ne leur rendait visite et personne ne prenait leurs choses. Aujourd'hui que la pauvreté spirituelle nous a taraudés tous, les gens courent derrière les riches qui ont les mauvaises auras. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse matinale. Dites aux voisins que ça a déjà commencé. A tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Midi de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Savant d'usage entre le jaune et le rouge à lèvres. Toujours, ça un peu de couleur. Quelque chose d'esqui. Ah bon, vraiment? Quelque chose de formidable. D'accord, merci. Quelque chose d'envoûtant. Ah, une fois de plus. Quelque chose d'étincelant. Quelque chose d'époustouflant. Oh là là. Franchement, quelque chose de ravissant. Claudia Antia, comment vous avez passé la nuit? Ah, la nuit a été super. La nuit a été super, je l'espère pour vous aussi. Oh ben, moi je passe habituellement de très bonnes nuits. Ah. Ça ne se ressent pas le matin. Ah, bien sûr que pour savoir si une ressent. Femme ou bien un homme a passé une excellente nuit, il faut observer et analyser sa mine le matin. C'est vrai que vous avez chaque matin une très belle mine. Ça veut dire que madame fait du bon travail. Félicitations à vous. Il faut la féliciter. Ah oui. Avoir le triple sac de modérateurs à ses côtés, c'est pas facile. Hein? Et là-bas, on travaille titanesque. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Claudia Ancha est là comme tous les matins. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse avec le journal Maison en feu matin. Le quotidien de Dieudonné Nven nous plonge dans le réseau interconnecté Nord. Bientôt, deux autres centres solaires à Marois et Guider. C'est la quintessence du communiqué ce 10 juin du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba. D'après le ministre, je cite, ces villes de la région de l'Extrême Nord seront progressivement mises en service à partir de
juillet 2025. Gouvernance presse est aussi au parfum de cette actualité. Marois et Guider, bientôt deux nouvelles centrales photovoltaïques. Et nous voici en sport football avec la météo sport et c'est la Coupe du Cameroun qui est à la une. La Colombe de Sambelima s'envole pour la demi-finale juste après le quart de finale disputé dimanche contre la Panthère d'Undé. La rencontre se solde par un score d'un but à zéro. Source Info est en kiosque ce mardi selon ses sources bien introduites au stade du centre d'excellence CAF Mbenkoumo. Coupe du Cameroun, le trophée est dans les bras à la Colombe sportive du Dja et Lobo. Les Lions Indomptables sont à la une du journal satirique Le Popoli Rififi dans la tanière à Luanda, apprend-on du journal ce matin. Et puis à quelques heures du match Cameroun-Angola, les victimes collatérales de la guerre Minsef et Kafout qui s'est exportée à Luanda, les Lions Indomptables promettent de refaire le job face à l'Angola. Le messager nous fait savoir que le climat est plutôt serein malgré la tempête. Le caporal Impo s'intéresse aussi au conflit Minsep-Fekiafoot quand les profondeurs d'hier des hautes instructions deviennent aujourd'hui les laudateurs. Lire l'édito en page 4. À l'affiche ce matin, mutation écrit pour la vie chère, le calvaire sans fin. La dernière note de conjoncture de l'Institut national de la statistique indique que les denrées alimentaires, le droit de consommation reste très élevé sur le marché. Le quotidien fait le point en page 5. Le jour, Paula Tangandi crée un village dans la Ménoire par une note de service défiant toute l'égalité. Le Minette vient de créer un précédent grave dans la région de l'Ouest. Le quotidien est précis en page 5. Entre-temps, Berthois au top avec les soins de santé de qualité. Cameroun Tribune revient sur l'inauguration du centre hospitalier régional de la ville de Berthois par Joseph John Goutier, premier ministre, chef du gouvernement. Et parlant toujours de cette cérémonie d'inauguration, le quotidien nous informe que la région de l'Ouest est dans les bons soins. Par ici, la qualité des soins nulle part ailleurs. Le centre hospitalier régional de Berthois, cet hôpital de pointe pour des soins de qualité, est doté d'un plateau technique international. Le cri Abdou le soir encense le joyau en page 7. Au Grand Mont, les grands hôpitaux, le Pélican en kiosque ce matin est dans la région de l'Est et suit de près l'inauguration du centre hospitalier régional de Berthois. À retrouver également au pavillon presse mardi, Hub News, Paul Biya, le prophète au rendez-vous de l'histoire. L'hebdomadaire bilingue présente l'homme d'État providentiel qui a toujours confondu ses détracteurs. Et puis repère, fait quelques repérages ce matin dans l'institution républicaine. Régis Touna voit l'insubordination qui gagne le sommet de l'État. On en parle en page 2. Le billet de Le Point répond à l'appel ce deuxième jour de la semaine dans son enquête en ligne de mire. Ce matin, commission du bilinguisme, gestion des ressources, Moussanguet, Chi, Assafor en déprédation. La page 11 nous renseigne davantage. Ce 11 juin, le Cameroun matin s'intéresse au Hadj 2024. Le journal nous renseigne que Paula Tangandi supervise le départ des derniers pèlerins. Assurance automobile, le ministre des Finances, Lupin Motazeux, lance l'opération coup de poing. Camer Presse décrypte l'information en page 10. Et nous clôturons la revue avec Capital Info, 17e édition des finales nationales FENASCO Ligue B. Le professeur Laurent Serge Tundingwa met le sport scolaire au service de l'unité nationale dans la ville de Bafoussam. C'est dans la région de l'Ouest. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Le 19h et le 20h nous attendent tous les soirs. Quel est le fait saillant qui retiendra notre attention? Ah oui, parfait. Ici, bien évidemment, que nous allons revenir sur ce match que va livrer à 20h les Lions Indomptables face à l'Angola. Mais entre autres, vous avez sûrement fait le constat avec moi qu'il pleut des cordes à Yaoundé depuis un certain temps. Et cette période est souvent à l'origine des petites maladies, la toux, la grippe, l'angine, etc. Comment les citoyens s'en prémunissent-ils face à toutes ces petites maladies saisonnières? Dans tous les cas, on en saura davantage aux 19h et aux 20h ce soir. Vous dites que c'est la véhicule des petites maladies. Oui, tout la à fait. La toux, la grippe. L'angine, de temps en temps. Parfois, on a du mal à boire de l'eau. Parfois, ce sont des maux de tête. Cette saison... Il n'y a plus la Covid.
J'ai pas COVID envie de... La COVID a disparu d'elle-même. J'ai vraiment pas envie de me prononcer à ce sujet. Je promets, une fois de plus, une costaud émission. Hein. Oui, ça c'est toute vrai. La vérité sur la COVID. Ah, c'est le titre de... Toute okay. La vérité sur la COVID. Je suis toujours en train de m'interroger, peut-être parce que je suis très bête, parce qu'on n'a jamais vu une affaire qui avait, entre guillemets, secoué le Cameroun comme ça. Pas seulement le Cameroun. Il y a un ministre qui nous annonçait les décès tous les soirs et nous disait de faire attention. Mais c'est sûr, subitement, personne ne meurt plus. La COVID a disparu. Apparemment. Ça va. Il n'y a plus de cache-nez ou de cache-bouche ou de cache-croix. Tout le monde est bien, tout le monde s'embrasse à la bouche. Oh, bon matin, hein, la COVID est partie d'elle-même. Compliqué. Attends un peu. Claudia, il faut qu'on avale ça? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec vous. Non, ces gens doivent nous donner des explications. On a apporté des vaccins dans ce pays. On a inoculé des vaccins aux gens par force. Maintenant, on vient de nous dire que ces vaccins tuent. Dans ce pays qui s'appelle Cameroun, si tu n'avais pas le vaccin, on commençait à dire que si tu n'as pas le vaccin, je ne prends pas ton argent à la banque. Un bon matin, depuis qu'on a dit que ces vaccins tuent, le ministre en question ne sort plus. Hein, pour nous dire que non, on raconte des sottises. Claudia, on doit avaler ça? Non, pas du tout, pas du tout. On doit en parler, on doit avoir des explications, on doit donner des explications aux citoyens. Dès qu'on amenait quelqu'un à Orca, la chance pour qu'il ressorte était de 0,001%. La chance pour qu'il ressorte. Dans un cimetière, la plupart du temps. Hein. On n'a jamais donné des explications. Simon Mayanga, grand journaliste camerounais, est allé au CHU en vendredi au volant de son véhicule. Il a été interné, on a dit qu'il a eu souffert de Covid. Dimanche matin, il est mort. On l'a enterré avec sa carte nationale d'identité, les clés de son véhicule. Ah, trois jours plus tard, les résultats sont sortis. On a dit qu'il n'avait pas de Covid. Oh là là. Je parle à la télé. Ça alors? Un jour, il faut que ces gens nous disent la vérité sur le Covid. Exactement, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se cachait derrière le Covid? Que de mort! Qui tuait ces gens? Claudia Andja. Parfait ici. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Alors, la petite Claudia nous a donné une abondante actualité. Celle qui retiendra encore notre attention ce matin porte sur le match Cameroun-Angola. C'est ce soir du côté de Luanda à partir de 20h, heure du Cameroun. Un match qui se déroulera encore sous forte tension entre les deux entités, la Fédération Camerounaise de football et de l'autre côté, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ibrahim, Cameroun-Angola, votre regard. Alors, merci, parfait. Ici, Cameroun-Angola, je pense que les Lions ont bien démarré. Ils ont fortement démarré contre le Cap-Vert la dernière fois, malgré les turbulences qui ont été présentes dans leur équipe, dans le staff. Je pense qu'on peut leur faire confiance. On peut faire confiance aux Lions. Je pense qu'on peut faire confiance aux Lions. Ils peuvent remettre ça ce soir. Alors, je crois fermement que ça va donner. En tout cas, je suis très optimiste. Joseph Zambo, si je m'en tiens aux informations qui me parviennent de la tanière, et là je parle des Lions, hein, les Lions indomptables, on me dit que le moral est au beau fixe. Les Lions indomptables du Cameroun sont serrants et gonflés à bloc pour faire encore vibrer le 12e joueur ce soir du côté de Luanda. En tout cas, c'est tout ce qui nous reste. Hein. C'est d'avoir une équipe qui peut gagner des matchs. Si on nous enlève aussi ça, on n'aura plus rien. Donc, ils sont même conscients. L'entrepreneuriat sera mort. Déjà qu'on ne sait même pas si on existe. Mais eux, au moins, s'ils existent, donc, c'est tout ce qui nous reste. Et qui redore le blason de notre pays. Donc, ils sont conscients qu'ils doivent faire ça. Merci, hein, Bernardo Basson. Pendant que vous n'étiez pas là, il y a eu de grands débats sur ce plateau concernant une fois de plus les tensions au niveau du football. Maintenant, nous avons amené nos Camerounaiseries du côté de Luanda, et notre mauvaise éducation et tout, il y a deux staffs qui se... Non, il faut la parler comme ça, Bernardo. Il y a deux staffs qui se retrouvent maintenant à Luanda. Toi, tu as vu ça quelque part?
C'est l'expression mauvaise éducation. Mais il s'agit donc de quoi? C'est moi, je suis pauvre en vocabulaire. On a déporté notre mauvaise éducation chez les Angolais. C'est sûr que les Angolais nous regardent comme des animaux. Hein. Même les pays les plus bizarres n'ont jamais eu ce genre de situation. Deux staffs, une fois de plus, du côté de Luanda. Parfait, ici. Honnêtement, sur la question, je suis... Vous aimez bien Fatah. I'm speechless. Donc, je n'ai même pas de mots. Je suis vraiment... Alors, parlons donc de la prestation des Lions qu'on pourrait avoir ce soir. Si on revient au match antérieur, je voulais parler surtout de Cameroun-Cap-Vert. On a eu l'impression que les Lions indomptables sont en train de retrouver progressivement le fighting spirit, le MLE. Maintenant, on constate aussi que progressivement, les Lions commencent à construire, je dis bien progressivement. Alors, ce soir, est-ce qu'il n'y a pas également un risque pour les Lions indomptables de dormir sur leur laurier en disant 4-1 contre la Cap-Vert, on fera de l'Angola que nous boucher? Est-ce que les Lions ne doivent pas continuer à être prudents, vigilants et très éveillés? Non. Ils devraient l'être, bien sûr. Ils ne peuvent pas s'endormir. Quand on a joué au foot, il y a une formule qui ressort. Faut respecter le football. Vous savez. Donc, quand on est professionnel, on respecte le football. Moi, j'ai quand même trois éléments prohibinants que je veux rapidement évacuer. Le premier, c'est que je n'ai pas été satisfait de la qualité de la pelouse produite par l'Ouniès lors du match contre le Cap-Vert. Vraiment. Parce que chaque fois, l'Ouniès nous prend beaucoup d'argent. Pas nous, on prend avec Afrique beaucoup d'argent, mais la pelouse n'était pas du tout belle. Donc vraiment, M. Ewane et M. Bell, au niveau de l'Ouniès là-bas, j'espère que l'Angola offrira un meilleur spectacle en termes de pelouse. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que, footballistiquement parlant, le Cameroun a très peu réussi, historiquement parlant, à Luanda. Faut le dire. C'est vrai que sur les 5 derniers matchs Cameroun-Angola... Vous amenez les stats. Oui. Les 5 derniers matchs Cameroun-Angola, les 5 derniers, c'est 3 victoires pour les Lions, une pour l'Angola et une défaite pour les Lions. Donc, et un match nul, pardon. Ce qui fait que... Et on marque très peu contre l'Angola. Le dernier match d'ailleurs, Cameroun-Angola, on a perdu 1-0 à Luanda. Vous voyez. Donc, pour aujourd'hui... Les dynamiques des équipes ne sont pas les mêmes. L'Angola, au cours de la CAN, a quand même démontré qu'elle avait progressé d'une certaine façon. Le Cameroun, pendant la CAN, n'a pas présenté une fière allure. Maintenant, au sorti du match contre le Cap-Vert, on peut espérer une dynamique nouvelle avec éventuellement un résultat positif là-bas. Mais moi, je penche plus pour un match nul. Le troisième élément, c'est que j'ai eu, et ça c'est personnel, hein, je l'ai même dit aujourd'hui à un frère qui je parlais dans la voiture quand je venais, j'ai eu un peu honte du match de samedi contre le Cap-Vert. Honte pourquoi? Honte parce que je pense, et c'est un mea culpa pour le moment, je pense avoir trop vite jugé Marc Brice. L'animation défensive du match de samedi contre le Cap-Vert était cohérente. Sur le laps vous de temps qu'il a sur eu... Ce plateau. Faites attention à Marc Brice. Oui. Habituellement, lorsque les Lions indomptables ont même gagné des grands trophées, ce n'était pas avec des entraîneurs waouh, hein? Ce n'était pas avec des entraîneurs formidables. Revenons en 1990, c'était un Russe, Nicolas Nipomniachtchi, oui, assisté oui. de Jean Manga Ongeni. Oui. On a fait une très belle prestation du côté de l'Italie. Lorsque nous revenons au niveau des matchs, pas des matchs, des trophées que nous avons gagnés. Non, prenons même d'abord 1988. Avec Claude Leroy. Oui. Claude Leroy n'était pas un entraîneur époustouflant à cette époque. C'était même un inconnu. Mais il faut qu'on le dise. Claude Leroy est devenu célèbre à partir des victoires avec les Lions indomptables. Oui. Et on peut multiplier les exemples comme ça, Schaeffer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, méfiez-vous de Marc Brice. Oui. Vous êtes tellement moqueur, la brocante belge, machin, truc, c'est ça. Bon, moi, je n'ai pas dit brocante, j'ai dit occasion de Belgique. Je n'ai pas dit brocante belge. Il y a une grande différence. Encore que ça peut même être taxé de propos racistes. Non, j'ai quand même touché la ligne rouge là-dessus. Mm-hmm. Donc, je retire ce propos qui était quand même malsain. Donc, je veux dire, quand le Cap-Vert, sur le plan défensif, on a été solide. Même. C'est vrai que Mikel Gado était un peu lent. Bon, il a marqué, tout bien, il a eu beaucoup de lacunes dans le match. Pour aujourd'hui, également, j'ai eu l'impression que le coach Marc Brice a anticipé. En conférence de presse, il a évoqué les deux points forts de l'Angola. Il a dit un milieu qui combine très bien
et un avant-centre qui est très rapide. Et c'est vraiment leur force. On l'a vu à la CAN. Donc, quand un coach réussit à anticiper sur la force de l'adversaire, il peut quand même avoir assez de temps pour mettre en place une stratégie de défense, vous voyez. Donc, pour aujourd'hui, je pense quand même qu'on peut, on peut obtenir là-bas un match nul, espérer une victoire, parce que je suis camerounais, j'espère une victoire. De toutes les façons, bonne chance au Lyon, j'espère qu'ils nous feront un plaisir. Mais une fois de plus, je suis pas exigeant, parce que je pense que l'ambiance, l'encadrement et tout ça, c'est tellement négatif que pour l'instant, ils sont en train de surperformer. Moi, je pense que pour l'instant, hein, les Lions indomptables me surprennent même. Peut-être qu'ils ont modestement compris mon conseil. J'ai parlé à ces enfants, à ces petits frères, de laisser les combats hors du terrain. C'est-à-dire que, vraiment, le duel Eto'o, moi, ça ne les concerne pas. Mais parfait, ici, c'est... Et ils sont là pour jouer au foot. C'est surtout que sur le plan tactique, il y a un élément qui nous manquait. Lequel? Sauf que je ne veux pas parler de Baleba. Mm-hmm. Parce que Baleba, c'est un génie, vous voyez, gros talent pour son âge, et pour moi il est tout jeune, mais comme il a un abattage défensif impressionnant, il libère Zambo et Onla qui peuvent mieux avancer. Pourtant à l'époque il travaillait plus défensivement parce qu'il n'y avait pas vraiment un système avec l'abattage de Baleba. Donc si Baleba progresse bien en sélection, il peut revenir au niveau de ce que ça était en 2003 et libérer les autres pour une activité offensive beaucoup plus intense. Donc Bernardo, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, ce que vous êtes en train de dire là, que cela signifie qu'il y a un coach qui met à surpied une stratégie, à la fin une tactique. Un projet. Vous voyez un peu? C'est un projet. Quand j'ai insulté Marc Brice. Alors, je fais mon meilleur coup de panneau. Je passe la parole. Mais t'apportes très tôt en même temps. Ce n'est qu'un seul match. Hein. Le deuxième, c'est dans quelques heures. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, quel est le regard que vous posez sur cette rencontre Cameroun-Angola ce soir du côté de Luanda? Ben, moi, je, contrairement à vous autres, moi, je suis content de voir une équipe qui a un staff chargé des entraînements et l'autre chargé des conférences. C'est de l'innovation. Quand vous êtes un continent, vous avez toujours vos choses comme ça. Donc, c'est que le pays est riche, quoi. Voilà. Débordant des nerfs. Voilà. Moi, je vois, pourquoi les gens là se battent? Même il y a un staff chargé des entraînements, le MINSEP, un autre staff chargé des conférences, la FECAFOOT. On va progresser comme ça, il n'y a pas de problème. Non, les gars sont gâtés, quoi. Vous savez, lorsque vous êtes polygame et que vos femmes décident de vous nuire, elles vous donnent à manger au même moment. Et chacune exige que vous mangiez sa nourriture. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau du jeu, vous savez, l'adversité est souvent source de force chez certains individus. Les joueurs ont compris qu'on veut qu'ils échouent. Ouais. Ils transforment dans cela en challenge. Ils sont en train de transformer cela en challenge. Beaucoup de ceux qui ont réussi dans la vie, hein, c'est pas les cours d'entrepreneuriat. Moi, c'est parce qu'une femme m'avait laissé au carrefour, à la mobile Vogada. Ok? Elle m'a dit que je suis trop pauvre, que ma pauvreté est contagieuse. Je n'ai fait aucun cours d'entrepreneuriat. C'était motivant. C'était motivant. La motivation. Vous voyez? Alors, quand on menace d'écrire à votre club, ainsi de suite, on vous donne deux staffs et tout ça, ça part vous réveiller. Et il ne faut pas perdre de vue. Marc Brice est quelqu'un de très charismatique. Depuis que les Camerounais l'insultent là, vous voyez, et il gère pas. Il est comme moi là. C'est ça. Si c'était un vrai blanc, il serait rentré. Ça, c'est le vous. Je ne rentre pas. Je ne suis pas venu pour vous. Je ne pars pas. Moi, on te dit souvent que tu peux enlever Niemela de ton. Tu ne m'enlèves pas. Nous sommes amis. Je reste là. Donc, c'est celui qui ne veut pas voir les autres. Tu zappes, tu passes. Mais vous voulez me voir. Donc, je suis là. Je suis Marc Brice. Donc, c'est comme ça. C'est un vrai blanc. Je suis faux blanc. Mais je suis là. C'est comme ça. Donc, si tu peux céder à ce petit... C'est pas comme lorsque tu peux doter une femme. Il y a un oncle sorcier qui est là pour gâter le mariage. Hein, et qui veut que tu abandonnes. Qui veut... Si tu n'as pas les mères... Mais tu vas partir. Le type là va commencer. Quand tu peux avoir, il n'a pas de maison. Il dit que ça, c'est qui ça? Il n'a même pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Les vieilles voitures qui sont venues, il n'a jamais eu le vélo. Il va te pousser à bout.
C'est pour... Quand tu as donc des monstres comme Yemel, comme Marc Brice, toi tu es là. Si quelqu'un te dit que tu es de la brocante, tu lui dis entraîneur 3 semaines. Toi, tu... Non, Blériot. Tu es Blériot, nous sommes à l'union sacrée. C'est toujours l'union sacrée. Non. Ça, c'est bien. Des sacrés. Vous allez vous fatiguer les premiers. Marc Brice et moi, jamais. Nous, on est là. Et vous voyez, quand les victoires vont commencer à venir, c'est vrai, ceux qui parlent très bien français disent une hirondelle ne fait pas le printemps. Moi, j'aime pas, je vous ai souvent dit, j'aime pas le français compliqué. Mais si vous allez à la chasse la première fois, vous tuez un gros animal. Vous avez la motivation de rentrer. Ouais. Pour ceux qui ont fait la chasse, la pêche, c'est ça qui motive. Ouais. Mais quand vous rentrez bredouille, ça décourage. Ça décourage. Donc, qui a mangé, mangera. Qui a bu, boira. Pourquoi vous n'avez pas dit... Vous voulez continuer avec les verres? Qui a été, qui a fait, fera. Qui a été, et voilà. Oh, Blériot. Donc, vous animez le plateau ce matin. Non, mais c'est aussi ça. Hein. C'est mon côté là. Hein. Vous savez, c'est même pour cela que vous aimez être avec moi. De toutes les façons. Donc, j'ai pas beaucoup d'argent à donner aux femmes, mais je vais faire rire. On va aller très rapidement. Hein. C'est vrai que certains n'aiment pas cet exercice, celui de pronostiquer. Oh, mais on va un peu s'hasarder. Cameroun-Angola de ce soir, pronostic. Je commence par Ibrahim. 3-2. 3-2. En faveur de ? En faveur du Cameroun. En faveur du Cameroun, bien sûr. Joseph Zambo. On va aller sur 2-0 en faveur du Cameroun. 2-0 en faveur du Cameroun. Angola. Bernardo. Un but partout. Un but partout. Donc, j'égale. Pierre Blériot. 2-1. En faveur du Cameroun, bien évidemment. J'opte également pour un 2-1 en faveur du Cameroun. A tout de suite pour la suite. Pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici. Aujourd'hui, ma dénonciation a une coloration culturelle. Alors, je dénonce la passivité des autorités dans l'attribution des noms des édifices au Cameroun. Ouais. Donc, à mesure que le temps passe, on se rend compte que les lieux mythiques et sacrés du Cameroun, les grandes universités, les grandes écoles, certaines rues, portent les noms des anciens colons. Donc aujourd'hui, il est plus que temps, plus de 60 ans après, de se réapproprier notre pays. Donc aujourd'hui, je dénonce ouvertement le fait qu'on continue de garder des noms comme Avenue Kennedy, des noms comme Lycée Leclerc, l'amphithéâtre de l'ENAM, s'appelle amphithéâtre Jacques Meynier. Même à l'estique, hein, amphithéâtre Hervé Bourges. Vous voyez. Moi, je comprends donc, pas. Pourquoi on peut pas mettre amphithéâtre Henri Bandolo? Mieux même Paul Biya. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Il est quand même chef de l'État. Il a été pendant 42 ans. Il y est toujours. Vous voyez. Donc, j'estime qu'il faudrait qu'on en parle ouvertement pour signaler qu'il faudrait véritablement remodeler, remoduler et renommer nos édifices publics. Et même privé, pourquoi pas. Merci. Hein. Si vous m'avez vu avant, j'allais vous décourager de faire de cela une dénonciation. On peut en faire toute une émission, mais c'est pas grave. D'accord. On va commencer par parler donc ce matin. Je commence par Ibrahim. Ibrahim, beaucoup sont quand même gênés hein, de savoir qu'un pays comme le Cameroun continue à garder les noms de certains édifices, des noms. Des gens venus d'ailleurs. Bernardo a cité quelques exemples là, en plein cœur de Yaoundé, l'avenue Kennedy. L'un des plus grands lycées du Cameroun s'appelle le lycée général Leclerc. Et on peut citer des exemples jusqu'à demain matin. Qu'est-ce qui peut expliquer cette manière de fonctionner pour un pays africain? Alors, je pense que c'est quelque part lié, hein, c'est l'un des éléments, ce que j'appelle un manque de vision. C'est-à-dire que tout homme doit se poser la question de savoir de qui je suis, où est-ce que je vais et qui je serai dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi dans 20 ans?
Si on voudrait qu'en 2021, on dise du Cameroun que le Cameroun est toujours colonisé, eh ben, il est toujours colonisé. Par la présence des non-colonisateurs. Donc, moi, je pense que vous faites de votre vie ce que vous voulez. Je pense que les pays africains ont besoin de penser leur développement. Et ils ont besoin de construire leur développement. La plupart du temps, il est difficile de dérober quelqu'un lorsqu'il sait où il va. Et lorsqu'il sait ce qu'il veut. Je pense que nos dirigeants devraient s'arrêter un temps soit peu et regarder ces marqueurs-là qui influencent le subconscient de la jeunesse. Ces marqueurs-là qui rappellent à la jeunesse, n'est-ce pas, que vraiment les blancs sont supérieurs par rapport aux noirs. Vraiment les blancs sont plus intelligents que par rapport aux noirs. Je pense que ce sont des symboles qui existent depuis fort longtemps déjà. Et qui avaient le but ou pour mission de démontrer que eh ben, la race blanche, elle est supérieure à la race noire. Et je pense qu'on a aussi besoin en Afrique à l'heure actuelle de voir les héros africains. Je pense que beaucoup de personnes se vantent de Aliko Dangote, le milliardaire nigérien. Tout le monde est en train de prendre, même les Camerounais parlent d'Aliko Dangote. Qui ne parle pas d'Aliko Dangote en Afrique aujourd'hui? Parce qu'il représente un modèle, une icône, un héros pour le continent africain. Et je pense qu'on peut aussi en 2023, en 2024, au 21e siècle, décider de mettre en lumière les héros africains. Même lorsque vous allez dans la littérature, parfois ici, et que vous lisez des livres célèbres comme les 21 lois irréfutables du leadership, ou les 48 lois du pouvoir, on va découvrir à l'intérieur la promotion des champions américains, la promotion des champions européens. Mais lorsque vous prenez un ouvrage africain, il est difficile dans le type roman de faire l'émanation, la présentation, n'est-ce pas, des champions africains. Donc je pense que chacun pour sa part, à cet instant, qu'il soit auteur, qu'il soit leader politique, qu'il soit commerçant, qu'il soit enseignant, devrait travailler à montrer les héros du continent africain, afin de s'opposer à ça. Merci Ibrahim Joseph Zambo. Au-delà de tout, est-ce que ce n'est pas la preuve par neuf que certains pays africains sont restés colonisés, hein? En tout cas, dans plusieurs... Le colon est parti, mais la colonisation est restée. Oui, mais dans plusieurs pays du monde, ce n'est pas seulement en Afrique, pour garder des liens avec ces colons qui sont passés chez nous, ou ces personnes qui nous ont, à un moment donné, encadrés. Il y a des noms qui sont restés, parce que ça symbolise peut-être leur passage, ou des édifices qu'ils ont peut-être baptisés à leur nom, du fait que ce soit leur projet, par exemple. Mais sauf que même au niveau de l'Europe, je prends l'exemple, la place Maginot à Paris, c'est un nom africain. On a aussi le parc Léopold, du roi Léopold II, qui est au Congo, il a régné au Congo. On a le quartier Cotonou, qui sont des espaces qui ont des noms africains et qui sont à Paris. Pour dire, et il y en a plusieurs autres noms comme ça dans d'autres. Vous voulez dire qu'il y a une réciprocité? Pas qu'il y a réciprocité, mais qu'il y a des espaces en plein Paris qui portent des noms africains. Donc, pareil que chez nous, on a aussi des édifices qui ont des noms européens. Pour vous, ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème dans la mesure où c'est normal, mais je dirais que si c'est accru, en ce moment-là, il faudrait qu'on revoie comment créer des édifices et baptiser les noms des initiateurs qui ont porté ces édifices. Pas que d'autres personnes portent des idées ou des projets et on vient mettre des noms camerounais là-dessus. Joseph Zambo, autant nous retrouvons les noms entre guillemets des expatriés en Afrique, selon Joseph Zambo, autant nous retrouvons les noms des Africains du côté de l'Europe pour des lieux symboliques. C'est moi qui posais la question. Bernardo. Vous m'avez oublié. Quand c'est la dénonciation, c'est d'abord. Bon, transférons dans la question à Pierre Blériot. En principe, c'est ça. Mais parfois, Blériot, on peut changer. Mais vous avez la parole. Non, vous savez, parfait, c'est le mindset qui détermine cette façon de faire. Il y a des gens qui donnent le nom de leurs enfants à un beau-fils. Parce que le beau-fils est riche et beau. Donc, quelqu'un épouse votre fille. Et puis, les autres enfants de la famille commencent à porter son nom. Il y a des femmes qui divorcent et veulent conserver le nom du mari. Parce que c'est un nom important. C'est un nom qui peut vendre. Voilà. Qui ouvre les portes. Et elles conservent cela. Ce sont des réminiscences d'un esprit qui n'arrive pas à se détacher. Il y a cette posture-là. Il y a la posture opposée qui est radicale.
dès que vous divorcez, la femme déchire tout ce qui porte votre nom. Et si elle peut même changer le nom des enfants, elle les change. C'est la posture radicale. Vous voyez ça dans certains pays révolutionnaires. Il y a ensuite une posture mitoyenne qui consiste effectivement à interroger la pertinence des noms. Quand vous dites lycée général Leclerc, est-ce que le général Leclerc avait construit ce lycée? Est-ce qu'il faisait dans l'enseignement? Est-ce qu'il avait été un grand intellectuel? Un grand patriote. Le général Leclerc était un militaire. Bon, on peut à la limite d'une promotion de l'EMIA dire que bon, à l'époque, on aurait pu. Donc, vous voyez que c'est le colonisé qui voulait surfaire. Vous pouvez pas aller doter une femme et vous trouvez votre nom inscrit partout dans le village de la femme. C'est de la vénération. Vous n'êtes pas de là-bas. Donc, ce nom-là, quand nous aurons quelqu'un d'autre, il va effacer tous ces noms-là. Bon, Bernardo voulait faire une fleur au président Paul Biya. Biya a un nom compliqué. Lui n'a jamais souhaité qu'on mette son nom quelque part. Il faut le savoir. Et les gens qui ont voulu forcer souvent, ça n'a pas donné. Tu forces, tu dis. C'est pour ça qu'Olimbé n'est pas baptisé. Vous voyez? Biya est compliqué. Lui, il est comme ça. Son nom, on peut faire le nomastique de son nom. C'est quelqu'un de vraiment compliqué. Il n'y a aucun bâtiment, aucun lieu qui porte le nom Biya. Il n'y a pas ça. Donc, si tu veux faire tes choses, tu fais ça. Tu veux utiliser le nom de Biya, tu vas voir comment ça va faire. Donc, lui, il est comme ça. Bon, Aïe Diop, par contre, lui donnait son nom constamment. Oui, il y a une avenue Germaine Aïe Diop. Oui, c'était le nom de son épouse. Le stade Omnisports, Amadou Aïe Diop, il donnait son nom. Bon, aujourd'hui, il y a des gens, Biya ne leur a pas dit de faire ça. Ça aussi. Il y a une obséquiosité qui est gênante. C'est-à-dire une sorte d'avilissement même de certains hauts fonctionnaires. Quand Paul Biya est au stade, certains journalistes de la CIA TV ont peur d'appeler le stade Amadou Aïdja Amadou, comme si on l'avait débaptisé. Ils disent le stade Omnisports de Yaoundé. Est-ce que Biya ne vous a pas dit? Et en faisant cela, vous ne lui rendez pas service. Je suis sûr qu'il n'est pas content. Mais s'il est content qu'on ne prononce pas le nom d'Ayidjo, dit Bolarendabo Akuba, dit Timi Pe Bolarendabo Abelolo. Donc, s'il est content qu'on ne prononce pas le nom d'Ayidjo, qui sache qu'on sera aussi content de ne pas prononcer son nom. C'est vrai que lui-même. Mais je dis que lui n'a pas dit ça. Depuis qu'il est aussi arrivé au pouvoir, hein, il n'a presque jamais prononcé le nom d'Ayidjo. Il l'a fait juste quand il prêtait serment. Non. Et après, là, il n'a plus jamais prononcé le nom d'Ayidjo officiellement. Moi, je n'ai pas de fait. Oui, mais s'il faut être honnête. Voilà. S'il faut être honnête, c'est Ayidjo qui a gâté la relation. Il faut dire ça aux gens. Là, c'est un autre débat. Non, mais attends. Ayidjo, si je tente de te tuer parce que tu m'as remplacé, tu vas continuer de prononcer mon nom. C'est lui qui a gâté la relation. Là. C'est lui, Ayidjo, qui a gâté la relation avec Biya. Ça, c'est un autre débat. Il faut. Quand on dit souvent ici, il faut rendre justice aux gens. En 83, Biya a fait un gouvernement où le fils d'Aïdjo était premier ministre. Bélobouba Maïgari. Son fils comment? C'est son fils adoptif. Jusqu'à présent, combien de proches du gouvernement Aïdjo sont dans le gouvernement? Allons-y même. Et la copie même, la copie de ce gouvernement a été corrigée par Amadou Aïdjo. C'est lorsque Biya commence aussi à vouloir se détacher, Aïdjo qui était trop présent n'a pas accepté ça. Vous savez ce qui s'est passé lors d'une fête importante du 20 mai? Le 20 mai? Oui! Aïdjo s'est permis de venir après Biya? Non! Il n'avait pas... Donc, il faut dire aux jeunes qui ne savent pas que Aïdjo avait cédé le pouvoir, mais les avatars du pouvoir étaient encore dans sa tête. Chez les Bantous, on dit que quelqu'un t'a vendu la chèvre. Et bien, un enfant, un monsieur obéissant, a assumé cela pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il faut bien se détacher d'un parrain qui ne veut pas mourir. Chenon ne donne pas le bon quand on est vivant à son fils, si vous l'avez dit. Merci Pierre Blériot. Voilà, donc c'est Aïdjo qui a gâté la relation avec Biya. C'est pas le contraire. Ça, c'est la vérité historique. Faut pas. Parce que les gens, nos frères, il faut qu'ils le sachent. Tout le monde doit le savoir. C'est Aïdjo qui avait le gros cœur
est revenu. Hein, il a dit qu'il reprend ce qu'il avait donné. Si tu as pris... On disait, bien, ben non, Jombia. Voilà. C'est comme ça qu'il disait en 84. Voilà, donc ce n'est pas bon. Il n'a pas bien agi. Et moi, je crois même que Bia était doux. Parce que si c'était un Bassa, je crois qu'on aurait fait des choses beaucoup plus difficiles. Il n'a pas été gentil. Merci, Pierre Blériot. Calmez-vous. Maintenant, je sais que toute la journée, vous allez me recharger en énergie. Pourquoi tu aimes déjà Bia? Je dis la vérité. Tu as peur qu'on dise que tu qui as peur de qui? Bernardo Obasson. Les noms des édifices au Cameroun, des lieux symboliques, portent des noms des personnes venues d'ailleurs. Vous qui, de temps en temps, nous amenez dans des choses compliquées et bizarres, est-ce que cela ne peut pas effectivement avoir un certain impact? Justement, je vais ouvrir une fibre métaphysique pour revenir sur l'aspect social tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on appelle le prêtre éventuellement mon père? Pourquoi est-ce qu'on appelle Paul Biya son excellence? Vous savez, la titrisation procède d'une recharge énergétique particulière. Lorsque je serai très bientôt ce que vous savez, vous ne m'appellerez plus Basson principalement. On vous suggérera, sans vous l'imposer, de m'appeler par le titre plutôt que par le nom propre. Tout à fait. Simplement parce que le titre prononcé régulièrement est une énergie qu'on projette et qu'on dépose sur la personne pour la magnifier, pour l'élever. Voilà pourquoi on appelle le père papa et pas souvent son nom. Parce que papa n'est pas qu'un statut, c'est un état. Un état de grâce, un état de conscience qui implique des considérations et des responsabilités protéiformes. Quand je rentre dans la pratique parfaite ici, au-delà des considérations politiques, économiques, socio-culturelles diverses, la vérité est qu'un pays a des devoirs en se construisant. Un devoir de mémoire qui se rattache à son histoire. Partant de là, si on veut aspirer à être une grande nation, il faut qu'on efface progressivement de notre mémoire collective que notre histoire a commencé avec la colonisation. Parce que ce n'est pas le cas. Il y a des nationalités, il y a des regroupements culturels, ethniques, tribaux, qui ont existé avant l'arrivée allemande, avant l'arrivée des missionnaires au 15e siècle. Puisque les missionnaires, ils arrivent au Cameroun, ils ne trouvent pas une terre vierge. Ils trouvent des gens qui y vivent, qui ont un mode de vie, un mode d'existence, un mode alimentaire. Donc il faut recoudre, il faut broder progressivement tous ces liens historiques, ontologiques, anthropologiques, pour construire un pays sérieux. On ne peut donc pas considérer que notre vie a commencé avec la période germanique suivie de la période franco-britannique. Parce que c'est indécent, c'est indélicat, c'est malsain que de penser comme ça. Donc à la vérité parfaite ici, les Leclerc, les Kennedy et autres, on peut éventuellement leur faire des fleurs pour ce qu'ils auraient fait au Cameroun à un moment donné, mais on devrait surtout construire notre histoire sur nos propres piliers. Des personnes qui ont contribué à bâtir notre pays dans toute son évolution. Vous savez, aujourd'hui, au Mali, quand vous arrivez, un des vestiges importants, c'est la charte du Mandé. Sauf qu'elle date de 1222. Avec Soundiata Keïta et sa bande. Mais au Cameroun, quand on dit le premier nom, c'est quoi? C'est Leclerc. Le premier nom, c'est quoi? C'est Avenue Kennedy. Le premier nom, c'est quoi? C'est des noms franco-britanniques. Vous voyez, c'est vraiment saoulant. Donc, deux choses pour sortir. La première, c'est que le prochain président du Cameroun, ou même l'actuel, s'il veut, devrait commencer à travailler, à recenser ces sites et à les effacer progressivement, à leur attribuer les noms de ceux qui, historiquement et progressivement, ont versé de leur sang pour le Cameroun. Moi, je pense, puisqu'il a pensé que c'est une fleur à Paul Biya. Non, c'est que Paul Biya. Vous avez même peur de faire une fleur à Paul Biya. Non, parfait. Je comprends, père. Non, moi, honnêtement. Quand Paul Biya a bien fait, on dit qu'elle a bien fait. On le dit souvent. Quand elle a mal fait, on dit que c'est là mal fait. Oui. Mais je ne peux pas justifier. C'est pas une justification, c'est que pour moi, il a plus mal fait que bien fait. Là, c'est un autre exemple. Tu veux être rattrapé. Non, pas du tout. Quand tu as vanté pour lui, il faut dire que non, il a plus mal fait que l'a bien fait. Bon, ce sont vos propos. Mais je dis bien pour moi, baptiser si Paul Biya, c'est pas un crime. Baptiser Cameroun, c'est pas un crime. On a des monuments, on peut baptiser Paul Biya. On peut baptiser éventuellement, je sais pas, Oumiobé, Martin Paul Samba, tous ces gens qui ont quand même se battu pour le Cameroun. Pourquoi avoir les noms de gens pas faire ici? Et pour la gouverne de M. Zambo éventuellement, que ce soit Matignon, Matignet, Léopold II est belge. Il a régné au Congo, mais il était belge, un roi belge. Donc vous voyez que quelque part, même s'il pourrait y avoir des éléments comme cela là-bas, c'est très mineur. Sauf que chez nous,
en pleine capitale, des édifices protubérants, exubérants, ostentatoires, portent des noms de personnes qu'on ne connaît même pas et dont l'histoire n'a pas toujours été grandiose pour le Cameroun, vraiment. Donc pour moi, on va lire. On devrait penser à épurer cela. On va lire les nombreux messages. Bonjour messieurs, il y a un avenu, Paul Biya Banjoun. Ah, voilà qui est intéressant. Autre message ce matin. Bonjour. Parfait, et tout en panel, les personnes positives adorent le travail que vous faites au quotidien. Pour la dénonciation de ce matin, la précision vaut la peine. Hein? Les personnes positives adorent le travail que nous faisons tous les matins. Maintenant, à vous d'en déduire pour les personnes négatives. Pour la dénonciation de ce matin, le système néocolonial qui nous dirige ne trouve aucun problème sur le fait que certains de nos édifices publics portent les noms des anciens colons. Parfait. Si l'UPC de Oumiobé avait pris le pouvoir lors de la lutte pour l'indépendance, ce qui nous dirige aujourd'hui ne serait même pas sous-préfet. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour, parfait, d'après Blériot, certains Camerounais veulent la défaite des Lions et on en appelle au boycott. À qui la faute si on gagne, je sais pas. C'est donc comme ça les négatifs, même quand tu écoutes, ça ne donne pas. Parce qu'il écrit si on est gagné. Oui, c'est comme ça, c'est on en a qui t'a rendu fou. Autre message ce jour, bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Si ça peut te permettre de passer une bonne journée. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation, il s'agit tout simplement du résultat de la colonisation française. Je suis d'accord avec Blériot lorsqu'il disait qu'il y a des gens que celui-là surnomme son enfant au beau-fils parce qu'il est riche. Moi, en tout cas, ce genre de choses ne passe même pas chez moi. D'ailleurs, moi j'ai fini l'une de mes tantes en mode ignoré depuis longtemps parce que lorsque j'étais encore élan, je lui avais demandé d'être la marraine de l'une de ses filles. Elle avait refusé. Mais lorsque j'ai commencé à avoir quelques miettes, bam, elle me sort qu'elle voudrait que je sois la marraine de sa deuxième fille. J'ai accepté, sauf qu'elle pensait déjà que j'allais prendre sa fille en charge. Je lui ai dit qu'elle va lire l'heure dans un calendrier grec. C'est Pancras de Guider. Honnêtement, quand elle a prononcé le nom, c'est Autre message ce jour, bonjour, je vous suis depuis Yaoundé, j'ai été très ému par la fabuleuse victoire des Lions Indomptables. Indépendamment de ce qui sévit actuellement, nous espérons qu'ils se comporteront autant face à l'Angola et bien après, nous espérons jouer un match contre le Real de Madrid. Merci. Okay. Ça c'est fort. Autre c'est message fort. Ce jour, alors 240, hein, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Espace Miné, parfait, merci de saluer la diaspora. Ça nous va droit au cœur de toujours penser à nous. Concernant le conflit Minsef-Fekafoot, parfait, tu as tout dit. Et s'il y a encore des hautes instructions dans ce pays, alors qu'on nous le fasse savoir. Au cas contraire, on va conclure que Samuel Eto'o a tué et enterré les hautes instructions et le peuple fera les funérailles. On nous a toujours dit que certains opposants salissaient l'image de marque du Cameroun, mais aujourd'hui on voit bien ce qui traîne l'image du Cameroun dans la boue et l'homme de Moulinex, serpent affamé et abeille est subitement devenu muet. En ce qui me concerne, je ne dis plus rien. J'observe et j'attends de voir la fin. J'avais déjà donner ce conseil à l'État, mais apparemment, ils ne m'ont toujours pas compris. Je redis encore. Un proverbe baolé dit, je cite, « Quelqu'un, quelles qu'en soient les intentions du serpent, lorsqu'il sort de la brousse, il faut le tuer. » Herman DiCaprio. Quelle qu'en soit l'intention du serpent, lorsqu'il sort de la brousse, il faut le tuer. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. C'est excessif. Il y a le serpent utile. À faire quoi? Monsieur Yemek, il y a par exemple Mahomambom. Mais il faut le tuer pour avoir les Mahom, là, il faut le tuer d'abord. Bon, et puis. Il faut d'abord. Il y a de beaux serpents même. Non, il faut d'abord tuer. C'est qu'on met dans les eaux. Nous sommes pour observer. Il y a de beaux serpents. Il faut tuer. Faut pas être excessif comme ça. Il faut d'abord tuer le serpent. Pourquoi vous défendez le serpent? Parce que le serpent, c'est un animal. Mais il peut être beau.
On peut tuer, mais pas de manière excessive. Il y a le beau serpent, très beau serpent, très beau. Maman, ça va être beau. Il y a une très belle vipère avec un beau pelage, avec une vipère belle. Pas pelage, par exemple, avec de belles écailles et tout ça. C'est très beau à voir. Tant qu'il est resté chez lui, ça va. Il vient face à moi, là, ça va. On a peur du serpent, on a peur de quoi? La vipère ou bien l'animal. Je ne comprends pas le serpent. Il y a des serpents vivants, là. Ils sont beaux, des vipères qui sont belles. Mais c'est le plat seul qui peut être beau sur le serpent. Le plat. Si le reste, on venait, je vois le serpent, je compte des morceaux. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord qu'on peut manger. C'est le moi, j'en mange. Partant 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le plateau. Très beau. Vous étiez dimanche dernier. Je comprends qu'il y a des tenues spéciales pour le dimanche. Mais attendez, dimanche c'est le haut niveau quand même. Fait attention, hein. C'est le haut niveau. Donc il y a des tenues traditionnelles d'apparat de plus en plus que je vais avoir les dimanches. J'ai passé des commandes. Donc des tenues traditionnelles. La vantage, ça me va qu'on okay. Alors, pour aujourd'hui, nous devons gagner et nous avons constaté que sans Eto, l'équipe est humainement bonne. Jules Hervé Fomont depuis Bata. Le gars est sentencier, hein? Il est d'accord avec quelqu'un sur ce plateau, certainement. Alors, autre message, repartons à 240. La Guinée équatoriale est très connectée ce matin. Bonjour le panel, c'est pour lancer un appel à l'aide. La Guinée équatoriale fait fort avec les Camerounais pendant qu'ils circulent librement au Cameroun. Que fait le gouvernement par rapport à cette situation? C'est compliqué, hein? C'est un vieux problème. Je ne sais pas pourquoi nos amis la Guinée équatoriale détestent tant les Camerounais. Je ne sais pas. Et pourtant, effectivement, les Équato-Guinéens vivent paisiblement ici au Cameroun. Tout le monde vit paisiblement. Il y a une banque équato-guinéenne au Cameroun. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que le président Obiangame Mbazogo, quand il rencontre Paul Biya, il parle enfant et tout ça. Moi, je ne sais pas. C'est comme s'il joue avec le président Paul Biya. Est-ce que Obiangame est vraiment sincère avec Paul Biya? Parfait. Mais on a un Minrex. Non. Qui peut interpeller l'ambassadeur? Nous parlions de l'orientation mentale du gouvernement actuel. Il peut arriver après Biya un type qui ne supporte pas le mépris du Cameroun. Ah ouais. Il peut arriver. Et la Guinée équatoriale, c'est doit là, en termes de population, divisée par trois. C'est vrai? En termes de population. Ouais. Donc, je dis à nos frères que vraiment, quand tu as un voisin comme le Cameroun, ce n'est pas bien. Et toi, tu es la Guinée. De déranger ce voisin-là. Voilà. Il faut espérer que c'est mieux. Celui qui pourra prendre le pouvoir après Paul Biya, comme vous dites. Non, on pourra ne pas avoir le tempérament de Paul Biya. On fait la Guinée une bouchée en bon matin. Il faut même dire que Aïdjo avait suggéré d'annexer la Guinée. Bien sûr. Ah bon? Oui, oui, oui. On aurait dû, normalement, ça devait être une des provinces du Cap. Donc, le seul. Il n'est pas bon. Vous ne savez pas qui va prendre après Paul Biya. Donc, c'est... Parce que nous parlons là, nous rions. Moi, j'ai plein des d'amis, gens souffrent. Plein de connaissances en Guinée équatoriale. Je vous assure, nous parlons là, nous rions. Les gens souffrent. Mais l'affaire c'est pas drôle. Ça laisse violent les Camerounaises là-bas et la Camerounaise ne peut pas parler. Elle on équaté Guinée, elle attrape les militaires, mais là-bas, c'est grave. Donc, elle finit la violer et dit fou quand ici, elle ne peut pas se plaindre. Si elle se plaint, la viole encore pour une deuxième fois. Ainsi, bon, dès qu'il y a un petit coup de vol là-bas en Guinée équatoriale, on attrape tous les Camerounais, on les passe à tabac, on les bastonne, on arrache les. Bien, et si non, et je me dis à un moment, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Non, je vous dis, il peut avoir un chef d'état qui envoie des expéditions punitives. Mais que ces gens saisissent le Minrex ici, fassent une conférence. Au moins, pour parler, j'ai vous n'êtes pas au courant. Vous n'avez pas besoin de mépriser toute une représentation diplomatique là-bas. Tout le monde est au courant. C'est simplement le tempérament de Paul Biya qui justifie le comportement qu'il y a de ce côté. C'est pas possible ça. Nous allons du côté de l'Italie, c'est le plus 39. Bonjour, perfecto io panel. Nous avons la chance ici de reprendre les panélistes. Blériot doit dire que c'est sa vérité et non la vérité. Aïdjo a dit que si c'est lui qui avait envoyé les putschistes, ils auraient gagné. Tout le monde a vu le président lire en bout de papier du retour de la, je vois, la CI. Mais Blériot a dit ici que ce président n'avait pas déclaré la guerre aux Nozo. J'ai l'impression que beaucoup qui ont la chance d'être sur les plateaux télé se jouent de nous les téléspectateurs. C'est de la manipulation pure et simple. C'est Ndobor. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Marc est seulement venu Brice au Cameroun par la complicité de son combi moelleux.
Incroyable. Allons au plus 34. Hein. Il s'agit de quel pays là? Plus 34, c'est le Congo. Alors, non, 34, c'est pas le 34. Le pays bas. Plus 34. Bonjour, monsieur Parfaïssi. Je vous avais envoyé un document pour notre pays que j'avais remis à son excellence, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, ici en Espagne. Ah, c'est l'Espagne. Donc, c'est l'Espagne. D'accord. Et j'ai envoyé au patriarche son excellence Paul Biya par le biais de l'ambassade. J'avais fait 11 tours à l'ambassade. Le 11e tour, ils m'ont promis la mort. Vous aussi, ayant le document avec vous, avez refusé de parler. Je suis en route et je serai là. Mais le jour sera... Ce sera une surprise pour mon peuple. Merci et bonne émission. C'est ma Libye qui envoie le message. 34, c'est l'Espagne. Ouais. 34, c'est l'Espagne. Bon, après l'émission, je vais faire un effort. Il parle d'un document et il dit que les ancêtres lui ont parlé. Tu vois, quand quelqu'un commence avec ce genre de choses, il commence à beaucoup réfléchir. Je vais quand même chercher à lire le document. Sauf que parfois ici, lui aussi, ses ancêtres lui ont parlé. Il sait que ce genre de choses, on ne cherche pas à en faire une grande publicité. Tu dis à quelqu'un, si on ne veut pas t'écouter, tu n'insistes pas. Pourquoi? Mais c'est clair. Les messages subliminaux ne sont pas des messages qu'on force des gens si à écouter. Si tes ancêtres, tu t'en parles. Les rejeter complètement. Tu as du mal à transmettre le message, mais que les ancêtres aillent parler directement pour le bien. Par exemple. Pourquoi les ancêtres ne peuvent pas aller directement pour le bien? Si tu vois que les ancêtres peuvent conserver pas ton canal, ça ne passe pas. Or, les ancêtres, eux, veulent absolument faire passer le message. Alors, le destinataire du message principal, c'est qui? C'est M. Paul Biya. Bon, les ancêtres peuvent donc apparaître dans la tête de Paul Biya. Donc, lorsqu'il est en train de dormir, et il lui parle. On dit que Paul Biya n'est pas passé. Encore que... Dans les ancêtres furent Paul Biya. Oui, est-ce que ses ancêtres sont connectés à Paul Biya? Les ancêtres sont des tailles différentes. Encore que, parfait, ici, s'il faut parler de ce genre de choses, regardez bien le président Paul Biya. Regardez-le bien. C'est pas quelqu'un qui a des... Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme au quotidien. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite! C'est tout pour le moment. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. We'll be right back.
Bon, retour sur ce plateau d'espace miné, cette fois-ci pour la dernière ligne droite. Nous prenons donc la problématique principale inscrite à l'ordre du jour, mardi entrepreneuriat. Ce jour, nous parlons donc de la création des entreprises. Comment et pourquoi créer une entreprise? Je commence d'abord par Ibrahima pour nous dire déjà ce qu'on entend par entreprise. C'est quoi une entreprise? Alors, merci Parfait pour cette question. Une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est dans plusieurs contextes utilisé. Il a entrepris, c'est son entreprise. Il a eu un local, c'est son entreprise. Mais moi, j'aimerais décomposer les choses au niveau le plus bas. Allons-y. Sur le marché, il y a deux grandes équipes qui jouent. On parlait tout à l'heure de football. Il y a l'équipe des consommateurs et il y a l'équipe des producteurs. Aux États-Unis, on parle du capot 97%, 3%. C'est-à-dire qu'il y a 3% de la population qui sont des producteurs et 97% sont des consommateurs. Et cette représentativité est présente en Afrique. Parce que vous allez voir, parfait ici, depuis qu'on est né, on nous a appris à jouer dans l'équipe des consommateurs. Va acheter le bic, va acheter le bâton de manioc, va acheter le cahier, va acheter le pétrole, va acheter la molle, va acheter tout ce qu'on peut, là on l'a acheté. Qu'avons-nous produit? Rien du tout. Donc, à un certain niveau, il faut tout simplement comprendre que l'entrepreneuriat consiste à changer d'équipe. Quitter de l'équipe des consommateurs pour aller jouer dans l'équipe des producteurs. Parce que l'argent ira toujours chez celui qui vend, pas chez celui qui achète. Et nous sommes des immenses, des grands consommateurs. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, il s'agit de ça, de changer d'équipe. Moi, j'aime les jeux d'équipe, des jeux de football, d'entrée de jeu. Maintenant, vous nous posez la question de savoir pourquoi... Donc, quand on parle d'entrepreneur, il faudrait qu'on se comprenne bien. Oui. Il faut changer d'équipe. Vous avez beaucoup insisté. Quitter de l'équipe des consommateurs pour passer à l'équipe des producteurs. Il faut voilà le véritable enjeu. C'est ça l'enjeu. Voilà la véritable situation. Et pourquoi aujourd'hui c'est un impératif au Cameroun ou en Afrique de se lancer dans l'entrepreneuriat? Mais parfois ici, on n'a pas le choix. Excusez-moi, en 2020, je fais un peu un regard sur les statistiques. Je me rends compte que chaque année au Cameroun, il y a au moins 80 000 bacheliers. En 2020, on était à 87 200, quelque chose comme ça. Chaque année, il y en a 80 000. Cette année-là, je suis allé guetter un peu sur Internet pour savoir, mais combien de personnes est-ce qu'on a à la fonction publique? La liste que Madame Google m'a donnée, c'était 600 000. Vous prenez les 80 000 par faire, ici, vous multipliez par 6, ben, il n'y a plus de place. En ce moment, là, vous vous posez la question de savoir, mais attendez un peu. Les étudiants qui sont au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quand ils vont finir les études, là, celui qui veut faire le doctorat, là, où ils vont-ils travailler? Et malheureusement, on est encore dans un état d'esprit où, vraiment, quand je veux sortir, je vais aller trouver le travail. Parfois, ici, c'est le feu qui m'a attendu quand j'ai fini. J'ai fini ma première formation d'ingénierie minière. Eh ben, le travail ne m'attendait pas. Eh ben, j'ai poursuivi la deuxième. Le travail ne m'attendait pas. Il fallait aller créer le travail. Donc, il est question ici que les jeunes qui nous écoutent, ceux qui nous prennent l'oreille ce matin, comprennent que, un, ils n'ont pas le choix. S'il faut s'en sortir, il faut créer de la richesse. Très bien. C'est un impératif. C'est compris. Mais sauf qu'au niveau des statistiques, par rapport au nombre d'employés de la fonction publique, je présume qu'on parle de la fonction publique. Oui. 600 000, c'est exagéré. Hein. Au niveau du Cameroun, nous sommes dans un peu plus de 300 000. Ça c'est Madame Google. Google t'a trompé. Voilà. Alors, Joseph Zambo, on va dans le vif du sujet. Hein. D'abord, comment créer une entreprise? Ils sont nombreux, je me dis qu'ils sont nombreux, Joseph, qui ont même peut-être les finances, mais ils ne savent même pas comment créer une entreprise. Vous répondez d'abord à cette question, comment on crée une entreprise, et on verra à la fin pourquoi. Ok, donc c'est déjà une très bonne question, parce qu'elle permet de résoudre la plupart des questions qu'on se pose en entrepreneuriat. Parce qu'il faut comprendre qu'avant de passer même à la création, qui est l'acte pratique, de la mise en place d'une activité, il y a d'abord l'idée d'entreprise qu'il tout faut à avoir. Fait. Donc, c'est tout va de l'idée. Tout va de l'idée. Et je parle de l'idée d'entreprise parce qu'on peut avoir n'importe quelle idée, mais elle ne soit pas une idée qui peut être d'entreprise. Donc, avant de mettre en place une activité, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, où on va le faire. C'est des petites questions de base qui te permettent d'encadrer au moins ton idée dans la tête. Et à partir de ce moment maintenant, tu t'en vas maintenant pour créer ton entreprise. Donc, on ne se lève pas un matin, je m'en vais créer mon entreprise. Non. La partie de la création est la partie où on a déjà mûri le projet dans la tête, une idée propre, claire. Et c'est où je dis toujours,
il faut comprendre qu'on ne peut pas se sentir mal et on part directement à la pharmacie acheter les médicaments. On passe par un médecin qui va tout te consulter pour essayer de t'encadrer sur ta maladie, un diagnostic, et c'est lui qui peut te faire une prescription médicale ou des examens à faire. C'est la même chose en entrepreneuriat. Parce que toute idée n'est pas bonne à aller directement déjà créer une entreprise. Parce que du moment que l'entreprise est créée, modifier encore quelque chose peut même te coûter plus cher que de recréer une autre entreprise. Du coup, on a plusieurs entreprises qui sont juste sur papier, mais ne fonctionnent pas. Donc, il faut que les Camerounais apprennent à aller auprès des experts, des cabinets de consultation et des endroits indiqués, même au niveau des centres de formalité des entreprises. Là-bas aussi, ils font des consultations là-bas, quand ils ont le temps, bien sûr. Ils peuvent te donner des orientations. Donc, il faut d'abord peaufiner une bonne idée d'entreprise auprès d'un expert. Et à partir de là, on arrive simplement au niveau du centre de formalité des entreprises. Et là-bas encore, il y a 5 étapes qui nous permettent déjà de choisir la forme juridique de son activité. Là encore, c'est terrible. Parce qu'au Cameroun, on a des établissements qui font ce que les SA font. On a les SARL qui font ce que les SA font. Il faut comprendre qu'en fonction du degré de son activité, il y a un statut juridique qui sied à ce que tu fais. Donc, on ne choisit pas au pif que je veux une SAS. Je veux une SA. Ce n'est pas un besoin. C'est en fonction de ton idée, de la largeur, de la grandeur, de la vision. La capacité de tes poches. Et même de la capacité de tes poches. De ton déploiement, qu'on te conseille vers la forme juridique qu'il faut. Mais aujourd'hui, on a le luxe des SARL. C'est-à-dire, c'est terrible parce que presque la majorité des entreprises camerounaises sont des SARL. Quelle est la différence? La différence sur la forme juridique est justement basée sur même le chiffre d'affaires. Parce que réellement, c'est d'abord sur le chiffre d'affaires. Parce que tu ne peux pas parler en centaines de milliards et être sur la SARL. On a une impression que tu camoufles quelque chose. Or, le statut le plus approprié en ce moment, c'est une SA. Parce qu'une SA est encadrée différemment. Il y a un PDG, il y a un conseil d'administration, il y a ceci. Or, une SARL ne fonctionne pas comme ça. Il y a forcément les associés et puis il y a l'associé gérant. Et encore l'affaire où dans les SARL au Cameroun, que les gens mettent les PDG là. On n'est pas PDG à la tête d'une SARL. On n'est pas PDG. On est gérant. L'associé gérant ou le gérant. Ou à la DOC peuvent mettre directeur général. Mais au Cameroun, des personnes créent des SARL et dans leur cas de visite, tu vois PDG, PDG, PDG. C'est uniquement dans les statuts juridiques SA. Qu'on a les PDG. Très bien. Et les présidents pour les SAS et puis les gérants pour les SARL. Merci Joseph Zambo pour votre premier jet. Pierre Blériot va continuer dans l'instruction, parce que c'est plus de l'instruction, de l'éducation qu'un débat au sens premier du terme. Joseph nous a dit comment créer une entreprise. Blériot, je vous suggère le pourquoi. Pourquoi l'on crée une entreprise? Parfois ici, nous avons un déphasage chez nous. Les gens vont à l'école avec la promesse de trouver du travail. Ouais. Alors que l'école, c'est le plus gros mensonge. Elle sait bien qu'elle ne vous donnera rien, mais elle vous encadre pendant trop de temps. Le temps pendant lequel vous auriez dû apprendre à vivre. Vous savez à quel âge on sort avec un doctorat en philosophie dans nos écoles? Si tu es trop intelligent, c'est peut-être à 25 ans. Non, en philosophie, ce n'est pas possible. Même si tu... Comment c'est... ça? Non, ce n'est pas possible. Si tu as le bac à 15 ans. Non, tu ne pourras pas. ça n'existe pas. De toutes les façons, en philo, ça n'existe. Au Cameroun, ailleurs, oui. Je veux dire qu'il y a des docteurs qui ont obtenu leur doctorat à 35 ans au Cameroun. Ouais. Alors, c'est qu'il est même intelligent. Il est très intelligent. Au-delà intelligent, la chance. Non, il a travaillé. Je ne parle pas de la garantie. Je ne parle pas de doctorat en médecine. Uh-huh. Je parle de doctorat universitaire. Parce que chez nous, les obstacles sont tels que pour achever le cycle de master, tu as 30 ans.
Bon, 28 ans et autres, parce que tu as même fini d'écrire. On a bloqué, on a fait ci. Ensuite, tu entres dans le cycle du doctorat lui-même, qui te prend encore un temps fou. Alors, quand vous avez 35 ans, je ne parle pas encore de leurs affaires d'école, là. Tu as perdu tous les repères pour savoir comment on entreprend. Mm-hmm. Beaucoup de diplômés, même avec la volonté, ne peuvent plus entreprendre. C'est un autre mindset. On nous a initiés au fonctionnariat. Et les gens se vantaient d'être fonctionnaires. Tout à fait. Et aujourd'hui, qu'il n'y a pas, il y a plus d'argent dans le pays, si on peut pas, si tu n'es pas un poste où tu peux voler, un fonctionnaire, c'est un pauvre type en termes d'argent. Ouais. Alors, d'ailleurs, moi, j'ai dit que si tu es fonctionnaire, tu gagnes 200 à 300 000. Tu es déjà marié, tu fais la cour à ma femme, à ma fille, je te porte plainte. Oui, oui, je te porte plainte parce qu'en fait, tu veux tuer ta famille et tuer ma fille. Non, revenons un peu dans le sérieux. Regardez ce que nous appelons nos frères de l'Ouest et nos frères du Grand Nord. Vous apprenez aux gens dans leur environnement à regarder les besoins. On crée des entreprises en fonction des besoins. Or, chaque environnement a un besoin. Il y a des entreprises qui peuvent vivre dans certains milieux et d'autres qui ne le peuvent pas. Parfait, n'entends pas que quelqu'un a ouvert l'auberge. Oh, si tu dis que je vais ouvrir l'auberge. Si toi, tu peux ouvrir l'auberge dans un quartier où les gens vivent dans les barrières, les vies de famille, ton auberge n'aura pas de visiteurs. Dans un quartier, les gens croient trop en Dieu. En Dieu. Voilà, il y a l'église qui te combat en face. Il faut ouvrir les auberges à côté des bars. Des grands bras, parce que quand on a fini de boire, on part boire aussi. Ou à côté des lieux des musulmans, voilà. On n'aime pas les auberges. Voilà, donc, il faut, pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Pour sortir de la grande dépendance, de l'état providentiel, l'état ne peut plus faire ce qu'il promettait. Lui parlait de... Non, il y a une époque où le gouvernement forçait les gens à entrer dans les différentes structures. Tu sortais, tu n'avais même pas encore achevé. Les professeurs d'université, tu étais encore étudiant toi-même. On t'avait déjà recruté. Aujourd'hui, on chôme avec un doctorat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, créer une entreprise est une nécessité. Mais pour atteindre, ce n'est pas en se révoltant seulement. Il faut préparer les jeunes gens à une autre orientation. Causer avec vos enfants. Tu veux être quoi? Je vais aller à l'ENAM. Oui. Tu veux être quoi? Je veux aller à l'EMIA. Tant qu'on a ce mindset-là, c'est grave. Et moi, je veux prévenir les jeunes gens. La corruption va finir ou diminuer de manière drastique. Vous qui aspirez à aller à l'ENAM, allez à l'ENAM parce que vous voulez être de bons magistrats. Parce que vous avez la passion de la magistrature. Vous avez la passion de l'administration, ainsi de suite. Mais si vous pensez que dans 15 ans, vous serez sorti de l'ENAM et vous aurez les maisons de 300 millions, ça ne va plus jamais se produire. Donc, n'allez pas de ce côté-là. Changez de paradigme. Ce sont les entrepreneurs qui seront riches, ici comme ailleurs. Les fonctionnaires ne le seront plus. Les fonctionnaires ont un caractère de noblesse, mais pas de richesse. Un fonctionnaire, on le respecte, il est commissaire de police, mais il n'est pas riche. Donc, celui qui rêve de richesse doit penser entrepreneuriat. Celui qui rêve de richesse doit penser entrepreneuriat, selon Pierre Blériot Niemec, Bernardo Basson, un sujet très important ce matin dans un pays qui s'appelle par exemple Cameroun et même dans bon nombre de pays africains où nous voulons sortir du sous-développement. La création, la nécessité de créer une entreprise est plus que jamais d'actualité pour bon nombre d'Africains. Fatalement et impondérablement. Hein. Mais tout à l'heure, je pense que M. Zambo a dû faire une légère confusion entre chiffre d'affaires et capital. Oui. Oui, c'est différent. Oui. C'est voilà pourquoi j'ai fait un geste. Le chiffre d'affaires, c'est le gain. Voilà. Le capital, c'est ce qu'on a dès le départ. Voilà. Donc, c'est au niveau du capital social à l'ouverture que la forme surtout varie, avec d'autres éléments, bien sûr. Mais la création d'une entreprise est essentiellement juridique, économique et fiscale. Et il y a une binarité quasi manichéenne quand même qui s'impose. Il y a l'informel et le formel au Cameroun. Commençons par là.
Dans l'informel, l'encadrement économico-juridique ici ne pèse pas. C'est-à-dire, je m'assieds, je crée mon call box là, devant ma maison. Je n'ai pas besoin d'avoir une paperasse particulière éventuellement. Je peux aller m'installer au marché du Fundi ou au marché Essos. J'ai mon poisson là. Quoi qu'on dise, ça reste de l'entrepreneuriat. Quoi qu'on dise, même si le formalisme attaché n'est pas manifesté, la réglementation n'est pas toujours respectée. Dans la pratique, c'est une forme, mais elle est informelle d'entrepreneuriat. Maintenant, dans le secteur formel, c'est donc là où les éléments que les prédécesseurs relevaient s'imbriquent et se modulent de manière indéfinie. Vous avez donc naturellement la détermination, quand je dis la forme juridique qui varie en fonction du capital et de sa nature. Donc, on peut avoir établissement, une SAS, une SARL, une SA, là également c'est binaire, une qui peut faire appel public à l'épargne ou qui fait appel public à l'épargne. Autre chose par faire ici, il y a des entreprises de personnes, des entreprises de capitaux. C'est pas pareil. Vous voyez, les entreprises de personnes sont celles dans lesquelles ce qui compte, c'est l'individu. L'entreprise, elle est individuelle. Ou même, elle peut être bi-individuelle. Mais celles de capitaux sont des entreprises dans lesquelles ce qui est promu, c'est la dynamique financière. Les banques, par exemple, ces entreprises sont essentiellement commerciales. Vous voyez, donc là, c'est intéressant. Mais au Cameroun, pour la création pratique, vous allez au CFCE, M. Zambola a dit, et là-bas, vous prédéfinissez un statut, des statuts que vous rédigez avec les éléments que vous voulez, éventuellement là-bas, des conseillers comme M. Maxime, comme M. Zambo pourront mieux vous guider. Je ne vais pas taire leur business ici. Donc, allez les voir, ils vont vous orienter sur les papiers à rassembler, etc. C'est important pour eux. Ça, c'est... Non, lui, il bouffe déjà pour le droit, il ne va pas encore bouffer. Voilà. On va voir quand même à leur niveau aussi. Parce qu'il faut qu'on en parle. Je préfère leur dire ça comme ça. Ça, c'est important. Maintenant, parfait ici. La nécessité de créer une entreprise, je n'ai plus grand-chose à dire parce que le consultant a vraiment purgé la question. Et également, M. Maxime, qui a très bien rappelé que on a été moulé, éduqué, structuré, formaté à un système de consommation à tous les niveaux. On nous a même carrément empêché d'imaginer de la production. Dans certaines régions, on a systématisé le salariat et le fonctionnariat, en estimant que quand tu es fonctionnaire, qu'on est enfin moi. Quand tu n'es pas fonctionnaire, on est nous avons vécu et grandi avec cette manière de penser. Ce formatage de pensée. On savait que tu as réussi ta vie. Quand tu es sorti de l'ENAM, tu portes un gros caution avec un bel cravate. Non, à Yaoundé même, quand tu engueulais monsieur, il te disait tu as affaire à un fonctionnaire. Voilà, c'était un titre très important. Je vais te montrer que tu as provoqué un fonctionnaire. Je voudrais rendre hommage à Honorine. Elle saura pourquoi je lui dis parfait ici. Mon fils est entre guillemets bilingue, si je préfère. Donc, c'est-à-dire, il fait les études bilingues. Non, il est bicommunautaire. Je m'explique. C'est vrai qu'être bilingue. Être bilingue dans le contexte. Est devenu un terme polysémique. Ah oui, oui. Voilà. Bon, mon fils a un sang badanté et un sang bassa. Récemment, on parlait. Il est bicommunautaire, comme je disais, il est hybride. Et récemment, quand on parlait, je lui ai demandé, puisqu'il est en train de composer son, il compose son BTS. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu comptes faire après? C'est ce qu'il m'a répondu. Non. Il m'a dit, le père, moi, je veux chercher l'argent. Ça, c'est le samba kanté. Ça, ce n'est pas le samba. Puisque moi, je suis plus scolaire, studieux et tout. Ça, c'est le sang de sa mère. Donc, le sang des affaires, là. Les gens de l'Ouest ont quand même une avantage d'argent. Il me l'a dit, hein. J'ai dit, Ngassam, ça, c'est le samba kanté. Il me dit, j'assume. Vous voyez. Donc, lui, je comprends qu'après son bébé, puisqu'il fait gestion à l'université, dès qu'il termine là, il m'a dit il ne veut pas aller s'asseoir quelque part pour avoir les costumes et être dans le bureau. Lui, il veut commencer à réfléchir que bon, déjà dès maintenant, il me dit je vais acheter un téléphone plus cher, je le revendrai un peu plus cher, etc. Donc, il y a un sens entrepreneurial, je me dis, qui est quand même profond, qui est même peut-être sanguin, s'il faut le dire ainsi. Il est communautaire. Bon, il est communautaire, pour être plus précis. Pas sanguinaire, parfait ici. Mais c'est pour dire quand même que moi, objectivement, j'ai pas encore développé de fibre entrepreneuriale. J'ai essayé par le passé, j'ai eu quelques entreprises, ça s'est pas très bien passé. Je continue d'apprendre, de me former. J'espère que monsieur Zambo et monsieur Maxime nous accompagneront là-dessus. Mais moi, honnêtement, objectivement, j'ai pas. Ibrahim, c'est là, tellement. Là, je vous pose une question, hein. Vous allez, je sais pas ce que vous voulez dire. Oui, c'est mais j'ai une question. Nous savons déjà
comment on crée une entreprise. Mm-hmm. Nous avons déjà compris la nécessité de créer une entreprise. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des risques à créer une entreprise et après échouer? Maintenant, comment faire pour ne pas échouer dans l'entrepreneuriat? Je pense que vous m'avez simplement dévancé parfait ici. Parce que ce que vous dites est extraordinairement fort. Je vais commencer avec un point de Joseph et puis je vais revenir à vous. Allons-y. Pour interpeller les intellectuels. Dieu merci, il y a un panel d'intellectuels ici. Quand vous consultez le rapport de l'Institut National de la Statistique, mm-hmm. vous vous rendez compte que 90% des entreprises sont des entreprises individuelles. Mm. Parce qu'il y a un esprit d'individualisme, je veux le marché pour moi seul, qui est une menace pour l'entrepreneuriat en Afrique. Deuxièmement, vous vous rendez compte que seulement 3,5% sont des intellectuels qui ont traversé la licence. Donc les intellectuels au Cameroun n'entreprennent pas. Le monsieur qui a entrepris là, c'est le monsieur que l'école, il n'y avait pas l'argent, il a pris le plateau d'arachide, il a déposé sur la tête, il a marché, il a vendu les sachets d'eau, après il a ouvert la quincaillerie, après il a fait la tontine et il a sa quincaillerie, et c'est lui qui est riche aujourd'hui. Donc vivement que les intellectuels, ces personnes-là qui jouent d'avoir une étude, une éducation, une formation, mettent à profusion leur potentiel et se lancent vivement. Maintenant, pour répondre à cette question, parfois ici, j'aime les statistiques. Vois-tu, quand tu lis le recensement général des entreprises de 2009 fait par l'Institut National de la Statistique, on te dira que 81% des entreprises sont mortes au bout de 10 ans. Sont mortes au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans au Cameroun, 81% des entreprises sont mortes. Ça, c'est fort, là. Quand on regarde cette problématique de la survie ça ou de la pérennisation, mais c'est une réalité. Donc, cette problématique de la survie... Ça signifie qu'il y a une cause. Il y a de sérieuses causes, parfois, ici. L'entrepreneuriat a besoin, les entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on renforce leurs capacités. Ils ont besoin qu'on les tienne la main, Joseph, et qu'on avance avec eux progressivement. L'entrepreneuriat, c'est la guerre. Ce n'est pas comme les gens pensent d'aller voir bébé. Ce n'est pas le voir bébé. C'est-à-dire qu'ils te font... Tu vois, c'est le cardio. Il faut le cardio, il faut le cœur. On n'aime pas la base comme ça. Il faut le cardio. Voilà. Parce que des fois, tu pars, tu trouves qu'on t'a dit qu'on avait planté 10 000 puis on n'a rien planté. Voilà. Donc, parlons de la survie toujours des entreprises. Le grand bassin a évoqué la question de formel et informel. Eh bien, frangin, au Cameroun, l'économie est portée à 60% par l'informel. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai bien sûr insisté de manière emphatique là-dessus. Et je voulais beaucoup que les éducateurs comprennent clairement l'avantage à être dans l'informel ou dans le formel. Le formel, il y en a. Récemment, je causais avec un responsable de la Célicom de Mille-Meza. Et je demande les entreprises, il me dit qu'ils ont une base de données, 300 000 entreprises créées. Donc les entreprises, alors, pourquoi on ne sent pas leur poids économique? Pourquoi il y en a autant 300 000 qui sont dans le formel? Et là, on ne parle pas de ceux qui sont dans l'informel. Il y a ceux qui vont te dire, eh ben, écoutez, on nous demande trop des impôts, on ne peut pas s'en sortir. Ben, Joseph a dit qu'il faut aller au CFCE, au centre de formalité de création des entreprises, prendre la paperasse. Je pense à 41 500, on crée un établissement, une entreprise individuelle au Cameroun. Le risque avec l'informel, par exemple, tu parlais des entreprises individuelles et des SAR. Eh bien, la particularité, c'est que quand tu es dans une entreprise individuelle, tu ne peux pas gagner des marchés qui s'élèvent à plus de 15 millions. 10. Voilà, c'est même 10 millions. Merci. Ce qui fait donc que tout entrepreneur voudrait bien garder les marchés qui gagnent plus de 10 millions. Ils sont portés par les SAR, elles sont savoir ce que ça implique. Et donc, dans cette situation-là, où on se rend compte que beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il est question, quand on reste dans une position d'informel, eh ben, ce qui peut se passer, c'est que le contrôleur peut passer et te dire où sont les papiers. Et j'aimerais ajouter un élément. Vas-y. Et ça, c'est parce que j'ai eu affaire à plusieurs contentieux dans ce sens où des associés au départ décident à un moment donné de se séparer et ne savent pas sur quel terme se séparer puisqu'il y avait une définition de part qui avait été préalablement élaborée par des personnes au moment où elles pactisaient entre guillemets. J'insiste en disant que pour des amis et camarades qui veulent se mettre ensemble, avant de former les statuts, procéder à ce qu'on appelle un contrat d'associé ou pour une SA, un pacte d'actionnaire. Mmh. Parce que le contrat d'associé, qui est préalable à l'entreprise qui va naître, permet de définir les conditions économiques, juridiques, complète, éventuellement en intégrant les modalités de résiliation de vos accords à terme. Parce que lorsqu'il faut que c'est le juge qui décide éventuellement d'ouvrir une entreprise à la liquidant, les conséquences sont souvent humainement incroyables avec des empoisonnements, avec des crimes et autres. Donc, par un contrat d'associé clairement libellé et rédigé par un expert, vous voyez, vous avez l'avantage, monsieur Zambou et monsieur Maxime, peut-être s'asseoir d'ici, bon, on va s'associer demain. On va créer une SA, mais avant,
définissons les termes, on enregistre le contrat. Par là, quand il y a une sécurité de base qui se met. Je veux parler plus loin parce qu'il faut consulter en cabinet éventuellement pour avoir d'autres informations. Avant de passer, de repasser la parole à Joseph Zamboul, ils ont encore quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour aux panélistes thématiques de haute urgence pour un pays qui veut se développer. Très bon enseignement seulement. Pensons à dire aux Camerounais ce qu'est une entreprise en amont. La création d'une entreprise doit être adossée sur une vision claire avec des objectifs smart. Pour créer une entreprise, il faut aller à l'école de la création d'entreprise. C'est Monsieur Epané qui envoie le message. Il continue en disant, de façon pragmatique, une entreprise est un ensemble de ressources, un emplacement, un capital, une activité et des processus de croissance tels la planification, le suivi, l'évaluation, etc. Autre préoccupation ce matin, bonjour à vous sur le plateau. Honnêtement, vous êtes les meilleurs. C'est du très lourd ce matin. J'ai été vraiment très édifié sur cette question de l'entrepreneuriat. Vraiment, merci. Autre message ce jour, parfait. On crée une entreprise pour résoudre un problème réel. La vie économique est régulée par la production, l'achat des produits et services. Si vous êtes une société qui achète sans produits, vous êtes esclave et vous passez votre temps à enrichir les autres. Nous devons nous orienter vers l'entrepreneuriat, mais en réalité, le régime en place n'est pas favorable à cette logique. Blériot s'est trompé. Les hommes les plus riches du Cameroun sont les fonctionnaires et leurs amis entrepreneurs mafieux. Une situation économique est une solution de guerre. Si vous devenez autonome, ceux qui vous vendaient leurs produits deviennent pauvres et le chômage change de camp. Pour qu'on se développe, il faut prioritairement les bons dirigeants. C'est Hilaire Niga qui envoie le message. Non, j'ai dit dans 15 ans, les choses ne seront plus pareilles. Tout à fait. Je ne peux pas me tromper que les fonctionnaires sont les plus riches du Cameroun. Non, tu m'as pas saisi. Les fonctionnaires sont sauvagement riches. Uh-huh. Ils ont même des camps. Bon, Joseph Zambo, je ne sais pas si Ibrahim a répondu clairement à ma question. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qui étais distrait. Comment faire pour ne pas échouer lorsqu'on met sur pied une entreprise? Moi, parce qu'il a de les stats. Oui. 81% en moins de 10 ans ferme. Déjà, vous dites que c'est dangereux. Bon, moi, je voulais apporter les éléments de réponse en me basant sur... Par exemple, l'histoire que M. Niemek nous a dit tout à l'heure. Il y a d'abord la motivation en laquelle vous ancrez dans l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Il y a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Je n'aime pas quand on prend les gros mots, simplement pour dire il y a la motivation interne, il y a la motivation externe. Mais réellement dit, ça ne devrait pas être une obligation que les gens entreprennent. Ça ne devrait pas être une option, comme c'est la seule qui est là, qu'on entreprend. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme ceux qui sont dans le côté religieux. On dit l'onction, j'ai ressenti qu'il veut devenir pasteur. Voilà, c'est la même chose comme les entrepreneurs. C'est une motivation interne ou intrinsèque. Ça doit venir de toi. Que sur une table de plusieurs choix, je choisis d'être entrepreneur. Quand c'est une motivation interne à toi, cette motivation pourra t'accompagner durant toute la période des difficultés, de ceci que tu vas traverser pour tenir ton activité. Mais la plupart des entrepreneurs camerounais sont là-bas parce que c'est la seule chose qui était devant moi. Du coup, je ne peux que faire ça. Je suis dedans. Il n'y a pas assez de motivation. Deuxième chose, ils ne s'entourent pas des mécanismes qu'il faut pour encadrer son activité. Je suis d'accord. Au Cameroun, l'entrepreneur ou bien le chef d'entreprise connaît tout, maîtrise tout, et c'est le roi. C'est ça qu'on dit. C'est le plus beau, le plus puissant, le plus riche. Un aspect, et laissez-moi plaider pour mon cas vraiment, donc je mets les organes. C'est vrai que personne t'a passé la parole. Non, j'arrache. Je plaide pour moi, parce que puisque j'ai échoué quelque part, il y a aussi les mauvais conseillers. Comme je suis quelqu'un qui écoute, j'ai fait confiance à quelqu'un en lui disant guide-moi dans l'entrepreneuriat. Ce que lui a fait, c'est qu'il a frappé tout le monde. Vous n'avez pas été bien encadré, vous le reconnaissez. Vous avez maintenant deux experts qui vont vous encadrer
prochainement lorsque vous allez vouloir créer une entreprise. Parfait, aussi l'affaire de patrimonialisation. J'ai là une autre, pose j'ai une autre préoccupation. Là, je repasse la parole à Ibrahim. Hein. Mm-hmm. Pour vous qui êtes formateur en entrepreneuriat et tout ce qui va avec, ils sont nombreux au Cameroun, pour ne prendre que le cas du Cameroun, mm-hmm. qui estiment qu'il y a plusieurs blocages. Blocages venant du gouvernement lorsque vous voulez mettre sur pied une entreprise. Et dans le lot des blocages, il y a les impôts. Merci, Fafer Ayissi, pour ces personnes qui clament ça haut et fort. C'est une argumentation qui décourage même les entrepreneurs. Tout à fait. Et je voudrais dire que, vous voyez, je parlais tout à l'heure du rapport formel-informel. C'est-à-dire qu'on a 60% de personnes informelles, on a 40% de personnes formelles. Quand tu es déjà dans l'informel, l'État ne peut pas t'accompagner. Ça, il faut être clair. C'est clair. Parce que l'État n'accompagne pas ceux qui sont dans l'informel. Ça veut dire que sur un effectif de 100%, vous avez déjà 60% qui peuvent se plaindre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Joseph l'a dit tout à l'heure, je l'ai répété encore, avec 41 500 au CFCE, tu crées un établissement. Quand tu vas au CFCE pour créer un établissement, on te donne, je pense, une année sans payer les impôts. Parce que l'État estime qu'en réalité, il vient de commencer, il faut qu'il ait encore les deux pieds sur terre. C'est à partir de la deuxième année qu'il va commencer à payer des impôts. Sur ce que lui-même l'a déclaré. Le conseiller juriste peut me dire si je me trompe. Non, ouais, c'est bien vrai. Sûr. Donc, concrètement, l'État vous dit, écoutez, on n'a pas le choix, on est dans l'impôt substitution, il faut que vous s'expliquiez, vous produisez localement pour remplacer ce qu'on prend à l'extérieur. Elle met des cadres, elle veut faciliter les choses. Moi, ce que je déplore, par contre, c'est que quand je suis allé créer mon premier établissement, c'est qu'on ne m'a pas dit que, en fait, quand tu finis avec le CFC, tu vas au niveau des impôts, il y a le bail des loyers à payer avec la cartographie et le contrat. Précompte sur le loyer. Précompte sur le loyer. On ne nous informe pas de ça avant. Et là-bas, tu te rends compte que tu avais déjà fini tes petits 41 500. Quand tu as revenu, il faut au moins 85 000 pour le type de loyer, le type de bâtiment dans lequel tu es. Il n'y a pas suffisamment d'informations. Les canaux de sensibilisation ne sont pas suffisants. Mais je pense, honnêtement, que l'État se bat pour que les jeunes s'en sortent dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas d'entreprise, l'État récupère les impôts où? Est-ce que vous savez, Enfin, c'est là où moi je combats ces gens. Est-ce que je te combats? Il faut que je finisse. L'État arrive trop tard. C'est ce que j'essaie de dire. Quand vous félicitez l'Ouest, est-ce que les gars de l'Ouest ont attendu que l'État vienne dire à leurs enfants de vendre? Pas du tout. Joseph disait, il faut la motivation. La motivation n'est pas une inspiration qui est venue comme tu disais là que passe. Non. C'est la pauvreté. Non. Il y a une vraie motivation. C'est l'environnement dans lequel tu vis. Mmh. Que faisait ton père? La plupart des chefs d'entreprise en Europe, c'est leurs enfants qui ont continué avec. On est dans un environnement. Mais si tu as vu papa se lever chaque matin, mettre le costume, aller dans un bureau et rentrer, toi, tu vas créer ta motivation, tu vas créer ton réussite, c'est quand tu prends la veste et tu vas au bureau. Terminé. Quand tu vois quelqu'un en bras de chemise, l'un des plus grands qui aurait pu lancer l'Afrique, qui a écrit l'Afrique noire est mal partie, René Dumont, n'avait jamais porté de costume. Un jour, quand on l'amenait rencontrer un chef d'État africain, on lui dit non, le chef d'État ne pourra pas te recevoir sans costume. On dit bon, enlever le costume à n'importe qui, l'a metté à René Dumont. Non, il leur a dit, s'il ne peut pas me recevoir comme ça, moi je suis un agriculteur. Et en agriculture, on ne va pas là-bas avec la veste. Cette culture que nous avons eue, d'être en costume veste, a bloqué notre esprit. Nous nous moquons même des gens qui vont au champ. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est même pas qui sont des entrepreneurs. Si tu vends même, tu dis à tes copines que mon gars a une structure, il vend ceci, les copines commencent à rire. Parce que... C'est comme un reset. Alors, je vais repasser la parole à Joseph Zaboua. Joseph Zambo, pour le cas du Cameroun, que nous maîtrisons un peu plus, lorsqu'on parle de créer une entreprise, nous voyons déjà seulement que dès le départ, il faut avoir des millions, il faut avoir des milliards. Est-ce qu'on peut créer une entreprise, je ne vais pas donner un taux, avec un peu... Je sais pas, il veut parler comme un village, avec un petit argent. Est-ce que pour créer une entreprise, il faut absolument avoir des millions ou bien des milliards? En tout cas, moi, je pense que lorsqu'on met en place une activité entrepreneuriale, il faut déjà évaluer les ressources. Maintenant, les ressources ici ne sont pas que financières, elles sont aussi humaines. Ça signifie que si on crée, par exemple, une entreprise en informatique,
et que nous sommes deux informaticiens. Depuis le balcon de notre maison, on peut créer notre entreprise, on place nos ordinateurs sur la table et on commence à travailler. Est-ce qu'un jeune Camerounais peut créer une entreprise? Moi, j'aime être pratiquant, oui. Dans un domaine quelconque, oui. Avec 500 000 francs. Oui, il est même riche. Il est même riche. Il est bon. Moi, j'ai créé la mienne, je n'avais pas ça. Moi, j'avais 41 500. Ouais. Vous avez créé. Ouais. Et ça a donné. Je suis en train de faire développer. Moi, j'ai injecté 1 500 000, c'est mort. Voilà. Cette affaire. Ibrahim, nous sortons déjà de ce peut-être programme. En disant que normalement, il faut un contrat gouvernemental entre les entrepreneurs et l'État. Parce que l'économie d'un pays passe par le secteur privé qui est porté par les entrepreneurs. Correct. Ça signifie que du moment où un État se veut grand ou développé, il doit d'abord compter sur son secteur privé, qui sont ceux qui ramènent l'argent à la maison, c'est-à-dire au pays. Donc, aujourd'hui, on a un problème, nous les entrepreneurs. Moi, je fais beaucoup de formations et on a un problème là-dessus, c'est que le gouvernement ne nous accompagne pas assez. À la limite, il ne nous aide pas. Zambo, tu étais-tu? Le gouvernement a un seul projet, c'est le projet politique. Les grands entrepreneurs que tu vois, les riches là, sont proches du pouvoir politique. Voilà. Quand tu es un entrepreneur, quand l'entreprise est mineure, les grands entrepreneurs viennent généralement et ils ne t'aident pas à te développer. Ibrahim, ils te phagocytent. Ou alors ils t'aplatissent. Ibrahim, et c'est là où l'État devrait intervenir pour savoir qu'on devrait quand même développer la Bernardo, Ibrahim a la parole. Quelques conseils à donner, aux entrepreneurs et ceux qui veulent entreprendre et ne savent pas comment s'y prendre. Ok, merci. Alors, moi, pour commencer par les entrepreneurs, la première chose que je vais vous dire, c'est que l'individualisme ne va pas nous amener loin. 300 000 établissements créés au Cameroun. Mais nous n'avons pas le pouvoir économique. Il faut que vous reteniez, peu importe votre génie, peu importe votre capacité, que c'est seulement quand on se met en équipe, c'est le travail en équipe permet à des hommes ordinaires d'accomplir des choses extraordinaires. Ouais. L'Afrique, le Cameroun a besoin des entrepreneurs extraordinaires. Elle a besoin de ses héros. Il faudrait que vous preniez un peu de main forte à gauche, un peu d'expertise à droite, et qu'on a beaucoup plus ensemble que par cet individualisme-là. Et j'insiste sur les intellectuels qui ne veulent pas entreprendre, qui attendent toujours le bureau. On a besoin de vous parce que vous et moi, vous devez faire un peu d'école. Ils sont pas humbles. Bon, mais là, je viens. Ça, c'était pour les entrepreneurs. Oui. Il faut miser collectif. Et je sais que le cœur va chauffer parce que les gens sont un peu égoïstes. L'économie de communion. Voilà, mais il faut miser collectif. Pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, honnêtement, l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Mmh. Oui. Ça peut s'apprendre par la vie. Ça peut s'apprendre auprès d'un mentor, mais ça s'apprend. C'est clair. Et peu importe à quel point vous croyez connaître, il faudrait que vous sachiez que vous n'avez pas encore connu comme vous devez connaître. Il faut continuer. Ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre dans cette affaire-là. Moi, par exemple, c'est un système de pensée, c'est un style de vie. Vous décidez d'être entrepreneur, vous allez aimer la lecture, si vous voulez réussir. Vous allez aimer la négociation, vous allez aimer la communication, vous allez aimer les échanges, vous allez aimer tellement de choses. Bref, vous n'allez plus rester chez vous. Dernier conseil. En quelques secondes. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des projets qui ne passent pas à l'action. Je dis, l'une des choses qui a fait en sorte que l'Église aujourd'hui devient l'organisation la plus forte, c'est que Jésus avait dit, allez et faire des nations les disciples. Moi, j'ai dit, allez et faire de la population vos clients, ne restez pas à la maison. Merci. Formidable conclusion. Merci à Joseph Zambour, expert en entrepreneuriat. Merci à Ibrahim, Maxime Julien. C'est la toute première fois qu'il était sur ce plateau. Je pense qu'avec le comité exécutif de ce programme, on étirera ton cas. Quel staff Ibrahim est ingénieur, il est formateur en entrepreneuriat. Merci à Bernardo, merci à Blériot. Il faut troubler l'émission. Tu as du deuxième staff. Le journal de la mi-journée intervient exactement dans 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avant de terminer, nous souhaitons encore bonne chance aux Lions Indomptables ce soir. Cameroun-Angola à partir de 20h, ce sera à Luanda. Avec tout ceci.